Bonjour, hein. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Partagez le live, mes gens. Partagez le live. Je vais faire un live pas très long. Je vais faire un live pas très très long. Voilà. Je ne serai pas longue. Ok? Donc, partagez. Et je veux également que vous me bipez la tête cassée. Que vous me bipez Maman Pépé également. Voilà. Nous ne sommes pas les bonnes amies. Nous ne sommes pas les amis. Mais en tant que blogueuse camerounaise, je veux aussi un peu. Interpeller Perpétue. Je vais interpeller aussi Perpétue Maléba. Voilà. C'est ça. J'espère que vous avez partagé le live, mes gens. Vous ne voulez pas partager. Partagez, non. Partagez le live. Partagez. On a combien? Je ne vois pas. Pourquoi Facebook ne me montre plus? Le nombre de gens connectés, je ne vois même plus, hein, rien du tout. Je ne vois plus les gens connectés. Facebook ne montre plus, hein. Voilà. Moi, je suis dépassé, hein. Je suis dépassé. Ok. On n'arrive à rien voir. Il y a les gens connectés, mais bonjour, Elise Kembanga. Bonjour. Bonjour à toi, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Je partage alors. Moi, je n'arrive pas à voir. On va faire un live très, très vite fait. Très vite fait. Je ne vais pas faire un long live. Ok? Je ferai pas un long live, mais je veux faire un live. Je veux m'adresser à Nicole. Ok? Je veux m'adresser à Nicole Ketcha. Parce que c'est une petite fille qu'on parle, elle n'écoute pas. Elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. Et je veux également que vous m'appelez Ndolé Miondo. Est-ce que vous pouvez m'appeler Ndolé Miondo? Madoka, n'oublie pas que les valeureuses femmes sont au boulot. On lave. Nous nous sommes dans le nombre de partages. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on va faire le live et puis ils vont, les gens vont voir après. Ça, c'est vrai. Parce qu'à l'heure-ci, vous savez, généralement, moi, je ne fais pas les lives à l'heure-ci. Mais j'ai jugé bon de faire un live, ok? De faire un live parce que c'est important. De faire un live. Je vais m'adresser à notre consoeur, Nicole Ketcha. Et c'est que tout le monde au travail. J'aurais souhaité que la tête cassée. J'aurais souhaité que la tête cassée soit là. Ok, oui, moi, je sais que je suis chômeuse. Non? Oh, le problème. Pardon, va doucement avec la petite Nicole. Elle est suivie aussi. Bonjour Ndolé. Bonjour Ndolé Miondo. Ndolé Miondo, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es quand même le général de la TKC actuellement.
Je vous sais bien comme tu es là. C'est très très bien comme tu es là. Parce que quand je vais parler, tu sais, toi et moi, on a eu une conversation hier, Ndolem Miondo. Mon live que j'ai fait hier, tu m'as appelé. J'étais encore en live. Tu as dit Dorcas. Mon live que j'ai fait là, vraiment, tu soutiens tout ce que j'ai eu à dire. Et que les guerres que vous êtes en train de vouloir engager là, c'est vrai, vous pouvez gagner la guerre. Mais celle qui va sortir entachée dans ça, c'est la maman de Nicole. OK? Moi, j'ai parlé à ma petite soeur hier. Parce que je ne peux pas dire que c'est ma fille. Je ne peux pas l'accoucher. Je ne peux pas accoucher un enfant de près de 40 ans. Que moi-même, j'ai quel âge pour accoucher un enfant de 40 ans. Donc, moi, j'ai parlé à ma fille hier, à ma petite soeur hier. Que ne suis pas le chemin que je suis en train de voir là, c'est un mauvais chemin. Il n'y a pas de King Kong qui tienne. Quand ta famille va être exposée, va être traînée dans la boue et elle est en train d'être traînée dans la boue. Plus précisément, ta maman. J'ai parlé de ça hier. J'ai parlé de ça hier. Mais à ma grande surprise, Nicole est partie lancer le live hier. Là où elle a laissé les gens monter pour laver copieusement la maman de Flore de Lis. Ok, Ndolé. Moi, je ne suis pas d'accord, hein. Je ne suis pas d'accord. Je suis venu pour dénoncer un Kécha. Je ne suis pas d'accord. Moi, je viens dénoncer un Kécha. Quelle arrête de faire qu'on insulte sa maman sur Facebook. Qu'elle arrête ça. Sa maman ne mérite pas ça. Même si elle a les deux défauts, chacun. Sa maman. Bonjour ma chérie. Bonjour ma BS. Et comment non, maman? Ça va et toi? Voici non, je suis au Cameroun maman. On m'a rapatrié. C'est pas grave, pas moi je vais venir te rejoindre bientôt. Maman viens non, pour que comme ça qu'on m'insulte au moins deux. Tu sais qu'il y a 5 minutes de folie chez les mafias, chez les Mbamou, non? Ouais. Non. Bon, je vais être bref, je vais pas. Je vais vous dire un truc par rapport à Nicole. Nicole est notre petite sœur à nous toutes. Je souhaite, moi, si j'avais le numéro de Nicole, je l'aurais appelée. Quand j'observe Nicole, Nicole, c'est pas le genre de personne qu'il faut donner des conseils en live. Faut prendre Nicole en Même aparté. à neuf, même à neuf, elle va D'accord. te laver, te bloquer. Pardon, si tu ne la connais pas bien, tu ne la D'accord. connais pas. C'est que celle-là, tu ne la connais pas. Même à neuf, elle va te Non, laver, je elle la va te connais bloquer. pas, je ne la connais pas Voilà. d'accord, je Va ne... un peu, essaye. Même va dans sa page, tu prends le mot, tu l'écris seulement que Nicole laisse. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Ah, Écris seulement parce qu'une que maman... Nicole laisse. Tu vas voir. Bon, tu m'as un peu coupé dans mon élan, ok, mais voilà, moi j'aurais voulu que nous parlions à Nicole en off. Ma fille, le téléphone que tu m'appelles à maman, je suis connectée avec Manve. Pardon, maman. Je suis connectée avec Nolé entre. Moi, je trouve que conseillons Nicole autrement. Moi, je voudrais avoir le numéro de Nicole pour donner des conseils à Nicole. Elle est jeune, elle est venue se chercher. Elle peut faire son bloc, on ne va pas lui interdire parce que moi, tous ceux qui disent à Nicole de ne pas faire le bloc, il faut arrêter. Nicole doit faire son bloc. Elle doit faire son bloc autrement. Oui, papa, bonjour. Donc, C'est le départ. il faut que OK. nous essayons d'accompagner Nicole. D'accord. Je sais OK, que papa. Nicole Bonne se journée sent alors. blessée. Nicole se sent blessée du fait qu'on a exposé sa maman. Elle est blessée. Donc, de ce fait, pour l'instant, là, rien ne peut Maman, arrêter je vais te Nicole. dire quelque chose, Oui, hein. ma Je vais te chérie. dire quelque chose.
qu'en déplaise à Nicole. Tu as compris? La seule chose qui me dérange dans ça, c'est la maman qui est en train d'être traînée dans la boue. Ce n'est pas Nicole. D'accord avec toi. Parce que c'est pour le sale. Il n'y a pas une personne qui a fait le sale sur mes tas comme Nicole. Moi, si personnellement, je suis une de ses victimes. Pour rien. Sa maman encore, redit ça dans les voices de Fleur de Lys. Je suis d'accord. Je n'étais jamais concernée par ce problème, ni de près, ni de loin. Cette fille m'a traînée dans la bouche. Mais Madoka. J'ai utilisé tous les armes que je pouvais pour me défendre de cette fille. Madoka. Tu parles par rapport à Nicole. Madoka. Par rapport à sa maman. Madoka. Ça, c'est fini. Vous avez tu as eu tes malentendus avec Nicole, c'est passé. Vous vous êtes chamaillé, c'est passé. Moi, je pense que maintenant, tu es en train de jouer ton rôle de grande sœur parce que tu protèges la maman. C'est une très bonne chose. En même temps, protège Nicole. Non, je ne suis pas par rapport à Nicole. Oui. Je dis ça et je répète. Je ne suis pas là par rapport à Nicole. Nicole assume ses erreurs. Parce que j'ai fait des sorties ici, là où j'ai tiré la sonnette d'alarme à cette fille. J'ai averti cette fille. J'ai tout dit, j'ai donné tout genre de conseils qu'une grande sœur peut donner à une petite sœur. Mais elle a trouvé que j'étais celle à bas. Elle m'a lavé copieusement. Aujourd'hui, là, ce qui arrive, qu'elle mange le Ndjangui seule. Je ne veux pas que sa maman mange avec elle. Mais là, c'est trop tard. C'est trop tard parce que les dés sont lancés. Moi, oui, c'est ça parce qu'elle ne fait qu'ajouter de l'essence au feu. Parce que franchement, maman n'a rien demandé. La maman de Fleur de Lys, sachant qu'on se préparait à sa mère. Parler, on m'a habitué parce que tu m'as appelé. Oui, maman parle. Bonjour à toi, Ndolé. Bonjour, Dorcas. Bonjour. Dorcas, tu sais quoi dans la vie? Ce que je dénonce, c'est les gens qui font semblant d'avancer. Pourtant, ils sont en train de marquer le pas sur place. Ok. Et ça sera mon combat sur Facebook. Quitte à ce qu'on dit qu'un dollar tourbillonne. Je m'en fous de ce que pensent les gens de Facebook. Quand moi, je sais que je suis en train d'arriver et je sais là où je suis en train d'aller, ça me suffit. Ouais. La vie des gens ne m'intéresse pas. Donc, tu as eu tes problèmes avec Nicole où nous tous, on était mêlés parce que moi-même, c'est à cause de ça que toi et moi, on a eu les problèmes. Bien sûr, Ndolé. Attends, j'ai toujours dit que c'est toi qui m'avais appelé le matin. Est-ce que tu confirmes ça, Ndolé? Attends, il n'y a pas question de confirmer quelque chose ou pas. Attends, non, je parle, ma soeur. Vas-y. Moi, je ne suis pas... Quand j'avance, je ne recule pour rien au monde en arrière. Parce que c'est que ça perd le temps et c'est fatigant. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Donc, j'ai fait ma sortie parce que Flore a attaqué la maman de Nicole. Ça ne veut pas dire que Nicole, elle est sainte Vierge Marie, priez pour nous. Hein? Mais quand on veut dénoncer quelque chose, ne rajoutons pas, ne faites pas la discrétion. À un moment donné, on ne sait plus de quoi donc, tu valides de... le live qu'elle a fait hier. Donner mon point de vue, ma soeur, et puis toi aussi, tu parles, maman. Ok. Moi, si c'était Ndolé Miondo, Nicole allait laisser cette histoire depuis. Mais Nicole écoute qui? Personne. Nicole n'écoute pas. Mais ça ne me donne pas je ne donne pas nos bâtons à ses ennemis de la fouetter parce que elle n'a pas. Non, toi, parce que tu n'as pas les liens que tu avais avec la maman de Nicole. Moi, j'ai les liens avec la maman de Nicole. Donc, toi, tu n'as pas ces liens-là. Donc, tu peux t'en foutre. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. On est d'accord. C'est pas parce que Nicole a insulté la maman de Flore que Flore a mis les voices de sa maman sur Facebook. On est d'accord. Je ne peux pas dire ça avec certitude. Parce que moi, depuis hier, est-ce qu'il y a un Nicole peut aller sur TikTok, faire un direct grave, insulter la mère de Nicole, insulter Nicole, les abeilles là.
Oui, Dorcas. Dorcas, le cas n'a pas les preuves, ça c'est faux, non, ça c'est Dorcas, s'il faux. te plaît, arrête de jouer à ça, parce que Je ne ça suis me pas fatigue. en train de jouer Ça à me ça, je veux fatigue. qu'on laisse la maman là Ça tranquille, donnez me million d'or. fatigue. Est-ce que Non, si Dorcas pouvait, Nicole pouvait faire ça, les gens là, ils donnez ramènent tout de pas TikTok. laisser tranquille Nicole, parce que... Dorcas, les gens là ramènent tout de TikTok sur Vous voulez qu'on fasse le sandal aujourd'hui? Elle a dit que comme c'est jeudi demain, on peut faire. Qu'on fait je ne aujourd'hui? comprends pas. Vous allez devant. C'est comme si vous. En tout cas, moi, je vous laisse. Papa, maman, Dorcas, ça va continuez, demain. continuez à Va faire là-bas, tout ce que tu me vous donnes mon faites. petit C'est sang bien blanc, sûr, chacun va là. payer sa part ici. Tu veux sang blanc sur le lit, non? Ouais, ça me fatigue. Je dirais comme ça, Dorcas, mais. Dorcas, Dorcas. Ndolé, ça m'a. Regarde, moi, je me mets dedans par rapport à la maman là. Tu as compris, ma? Mais Tu Dorcas, as compris? Dorcas, Oui. Dorcas, sache que ce que Ndolé dit, elle a pleinement raison parce que moi, je ne suis pas dans Facebook, mais je regarde toutes vos lives. J'ai Nicole, même ça, TikTok. toi sur TikTok, elle insulte la fille Nicole là, ça ne vient pas nous trouver. n'a Ça jamais reste insulté que la des maman de paroles. Flore. Non. Non. Dorcas, Nicole n'a vous faites pas quoi sur Facebook insulté si vous la ne maman retenez de rien? Flore. Je Retenez. peux Ce n'est encore. pas moi qui a lancé le slogan hier qu'on veut les preuves. Ce n'est Mais pas moi qui ai lancé le slogan. pourquoi alors tu mets encore ça en doute? Non! Tu penses que si Je c'était regrette. vrai? Non, tu sais pourquoi? Non, je ne mets pas ça en doute. Tu as compris. Mais j'ai dit que je mets ça entre guillemets. Parce que je dis que je veux les preuves. Et je n'ai pas les preuves qu'elle a insulté ou elle n'a pas insulté. Mais je dis que je veux les preuves que. Parce que connaissant les abeilles, il n'y a pas un truc que quelqu'un peut faire contre les mafos sur Facebook et il ne télécharge pas. Même si tu Il fais ne ça, sait pas même même si tolé tu pour un comme rêves, même Même si tu tolé pour un comme rêves, si tu veux me les rêves des gens. Vous voulez pas parler aujourd'hui? De toutes les façons, Dorcas, moi je te laisse continuer ton direct, mais je suis dans l'optique que Nicole laisse. Mais Nicole, moi aussi je peux comprendre Nicole parce que là où elle est là, elle est en train de blesser. Elle est Je ne vois pas le fort maïs. blessée et je peux comprendre sa colère. Mais si elle peut Je écouter, voulais qu'on elle est fasse d'abord demain, voilà les quand gens, tu est-ce dis que que vous tu peux demain. m'entendez, ma chérie? On t'entend, Oh, Emma, on t'entend, on voilà. t'entend. Attends, Oui, on voilà. t'entend, chérie. Donc, je suis dans le même optique que Nicole le laisse. Mais je ne peux pas aussi l'attraper. Parce que quand on est blessé, c'est trop facile de dire aux gens que laisse. Mais il faut souvent aussi prévenir. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Parce que là, on est en train de chercher à guérir Nicole. Et pourtant, on pouvait éviter que Nicole soit malade. J'en ai pas évité. Je ne suis pas allée lui dire. Mais Dorcas, c'est pas parce que tu lui as Dorcas, tu dit allais lui dire qu'il était trop tard. Tu allais lui dire que les poissons de sa mère étaient Dorcas, déjà dehors. imagine un J'ai enfant que tu as à la maison. averti à Nicole, on n'avait pas encore mis les voix de sa maman dehors. Elle m'a insulté, elle m'a bloqué. Je dis ça et je redis. Quand j'ai vu la tendance, connaissant le personnage de Flore, je savais que Flore va aller au bout de ce qu'elle veut faire. Je suis allée, j'ai dit à ma petite sœur, laisse-la faire là. Parce Non. que le chemin que tu prends là, la personne qui va être Mais entachée, c'est ta maman. de toute façon, Dorcas, M'a la maman insultée est et déjà elle m'a entachée. bloquée. Bon, je ne vois plus ce qu'on va dire qui va encore plus Non, entacher la maman. elle laisse comme ça là, parce que les autres voices Je sont suis même peut-être d'accord. Moi, plus pires que ce que Flore de Lille a mis. Qu'on laisse comme ça. moi, Parce je suis. que ce qu'elle est en train de voir, c'est que Ma Dorcas, vous voulez absolument que Flore mette les voix là Non, dehors. Ma non, Dorcas, non, le non, de non, non, Donc, pas du moi, je tout. ne pense pas que la mère de Nicole a tué quelqu'un. Pas du tout. Même si elle n'a pas tué quelqu'un, donnez-moi, tu ne veux pas les informations qu'on est en train de sortir sur sa mère, là, si tu n'as pas Mais de tu mère. penses que Disons-nous Flore la a encore vérité. du poids sur la mère de cette fille avant, comme elle a déjà mis le voice du VIH, qu'elle peut J'ai dit encore dire quoi? Peut-être qu'elle a tué ce qui s'est quelqu'un, hein? passé avec la maman de Nicole là. Toi-même, tu ne peux pas accepter ça à ta... Quand je dis Jamais ça je de ne ta peux maman. pas. Je Et pourquoi n'accepte tu pas. parles que sa mère n'a pas tué? Comme si tu banalises toutes les informations qu'on est en train de sortir sur elle. Bon. Ne Non. banalise pas parce Bon, que personne ne veut ça de sa part, de sa part de famille, maman. je te laisse continuer ton live, mais Dorcas, sache que moi, je ne fais Non, pas. Je je ne suis peux dans moi. pas laisser ça. Je Donnez suis million dans. d'or. Oui, Je refuse le jeu que vous êtes en train de jouer là. Vous avez vos parents cachés. Dorcas, tu vois Non, quand c'est toi qui joues. Finalement, c'est toi qui si joues. nous sommes. Non, 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 laissez la maman là tranquille. Je refuse. Dorcas, si nous sommes plantés Arrêtez dans le en live. cinquième que tu allais l'encourager à faire la Tu bêtise. m'as appelé Non, alors pourquoi? Dis-moi pourquoi tu Dorcas. m'as appelé. Parce que
sais que je veux que tu parles en interne entre vous là-bas. Que vous comptez l'école, de laisser la faire là. Maman, la guerre, je sais que vous voulez défendre Mordicus Nicole. Je sais ça. OK? Et que vous êtes sûr que vous allez gagner cette guerre. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est que quoi? Même si vous gagnez la guerre, la personne qui sera traînée dans la boue, c'est cette maman. OK? Elle peut se suicider au Cameroun comme la blague. Elle peut avoir un choc. Vous ne voyez pas la gravité de ce que vous êtes en train de faire. J'ai compris. Mais ce que tu es en train de faire là, je suis dans ton direct. Je t'inviterai dans mon direct tout à l'heure parce que je veux aussi faire le décryptage de ce que tu fais là. Parce que moi, j'ai aussi les souvenirs de l'histoire qui s'est passée avant. Si tu veux qu'on n'oublie pas le passé, c'est toi. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit Dorcas. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait à la maman de Nicole? Tu m'as même pas laissé finir. Tu es venu lancer le live. Et tu dis que c'est toi, c'est les gens comme toi qui ne veulent pas la guerre. Est-ce que si tu tombes, tu pètes le nom dans ton verre? Tu pètes le nom dans ton verre, ça allait arriver là où ça c'est arrivé, ma soeur. Tu es en train de mal me comprendre. Ne veux pas souvent que les gens. On ne refuse pas la guerre sur Facebook. Moi, je ne veux pas la guerre, ma. Je ne veux pas la guerre. Mais je dis ceci, on ne s'attaque pas aux mamans. Bonjour, madame. On ne s'attaque pas aux mamans. Qui s'est attaqué aux mamans? Moi, j'ai le problème. Mais dites les choses là où sont, ne mélange pas tout. Dis donc, d'accord, je te laisse à ton direct. Bonsoir. C'est sorti qu'ils ont demandé le cadavre pour mettre sur feu. Vous voulez qu'ils disent que quoi encore sur ça, Ndolé? Je dois dire quoi, maman? Je dois dire quoi? Hein? Vous voulez qu'ils viennent dire que quoi maintenant? Est-ce que je n'ai pas dit hier que comment vous demandez le corps? Vous voulez que maintenant la CDA fait. Maintenant, on veut couper. On cherche un moyen comment on va arrêter le saignement. Lisa Dior, oui. Bonjour, parle ma chérie. Bonjour, ma Dorcas. Sincèrement, moi je suis tes lives. Ton live hier, c'était un très bon live. Il n'y avait rien à retirer. Cette histoire-là, l'histoire dont on parle de Nicole et de sa maman-là, je veux qu'on reste, pour moi, hein, moi je dis qu'il faut juger la chose sur le au niveau où il y a le problème. Le problème ici, c'est la maman de Nicole. Qui est en train de parler maintenant? C'est Lisa, non? Malo, tu peux descendre, pourquoi je prends aussi d'autres gens? Tu es là depuis, non? Descends-moi, chérie, il n'y a pas de souci. Descends-moi. C'est toi, tu peux descendre parce que tu es parti en haut, je ne peux pas te descendre. Je ne sais même pas comment on descend, chérie. Je vais chercher. Bon, pardon, cherche, maman. Ok, c'est bon. Vas-y, Lisa. Bonjour à toi, Bono. Donc, le problème, c'est sur la maman de Nicole. Ouais. On n'est pas là pour défendre Nicole pour applaudir ce qu'elle a fait ou pas. Sur Facebook, si on se penche d'abord un peu sur Nicole, si on se penche d'abord sur Nicole, ce que Nicole a fait, nos blogueuses dont on parle là, que ce soit Flore elle-même, que ce soit Lolo, que ce soit peut-être Compresseur ou X ou Y, ils sont passés par là. Ils ont fait du sale. De deux, la nouvelle génération qui est arrivée, moi, je me penche d'abord sur Nicole. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi c'est Nicole qui est un problème en fait. On voit au Cameroun Mbopi. Même à toi, Mbopi a manqué du respect. Elle continue, mais ça passe inaperçu. Parce que Priscali insulte. Le procès n'est pas au niveau de Nicole et Lisa. Non, mon procès, c'est la maman. On n'a qu'à manger Nicole à toutes les sauces. Ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi je me dis, pourquoi on se penche. Je parle de Nicole parce que j'entends que Nicole doit laisser. Pourquoi Nicole doit laisser? Est-ce que je ne suis pas. Parce que maman, quand elle, tout ce qu'elle, les actions qu'on va prendre, on a trop de balles sur sa maman. Non. Moi, connaissant sa maman, je vous dis, elle a parlé des choses que. Pardonnez. Madorcas, Flore de Lille, c'est une grande personne. C'est une grande blogueuse dont on parle. Flore de Lille ne peut pas se permettre, quel que soit ce que Nicole a fait, de mettre ce genre d'information de la maman de Nicole dehors. Moi, j'ai pleuré. Hein. Ce n'est pas ma mère, mais j'ai pleuré. Mais puisque le vin est tiré, il faut le boire. Elle n'avait qu'à tout verser parce que ce sera un chantage. Ça veut dire, si Nicole ne parle pas, ils veulent
museler Nicole, c'est-à-dire elle va arriver à ses buts, elle n'a pas tout versé. C'est elle-même qui se salit, ce n'est pas Nicole. Nicole, on sait déjà ce qui elle est. C'est elle qui veut laver son image. Parce que Flore n'est pas mieux que Nicole dans le clash. Donc vous voulez alors qu'on laisse une fois, il verse le tout. Elle avait, non, ma Dorcas, je te jure sur la tête de mes parents que si moi j'étais Nicole et que c'est à ma mère que Flore a sorti cette voice-là, ça devait être que le tribunal, quoi. Parce que c'est l'état de santé. C'est comme vous l'avez dit que non, cette femme peut se suicider au Cameroun. Flore n'a pas mesuré ça. Moi, je suis dépassée, moi. Moi-même, depuis, on est en train de m'insulter partout. Les abeilles sont en train de m'insulter partout, partout. Alors que je ne vois même pas ce que j'ai dit de mauvais. Vous bouffez le ndangui que vous êtes en train de me faire bouffer là. Maman, je bouffe le ndangui sur l'affaire d'un Kecha par rapport à quoi? Moi, je défends que sa mère. Je ne défends pas Nketcha. Je bouffe le ndangui par rapport à Nketcha, par rapport à quoi? Non, mais maman Dorcas, tu entends, après que Flore ait versé ces informations bidons, et celle qui est au Cameroun, elle fait un live, elle chante, il y a le sida dans la cité. Mais tu vois, et puis on me parle des abeilles, ils n'ont pas de cœur. Même si c'est la mère de Mbok. Pardon, madame, vous n'êtes pas seule. Il faut descendre. Il y a les gens qui veulent insulter. Oui, maman, Lisa, laisse quelqu'un d'autre parler, ma chérie. Il y a même beaucoup de gens qui veulent monter. Madame, quand je suis merci. Celle qui est montée. Bonjour, bonjour. Lisa, merci. Non, tu descends alors, d'abord. Lisa. Merci. Madame. Bonjour, Dorcas. Bonjour, madame. Oui. C'est d'abord celle qui a la photo de voilà. Le profil de Flore là. Madocas, oui. Franchement, j'ai aimé ton live. Bonjour à tous les internautes. Bonjour. Moi, j'ai aimé ton direct dire. Tu as prévenu, tu avais prévenu à Dorcas, à ta fille Nicole. Oui. Tu l'as prévenu. Nous tous, nous avons vu ça en live. Tu as prévenu à Nicole. Pourquoi Nicole est allée jusqu'à ce point? Je ne supporte pas Flore. Hein. Je suis une abeille. Je ne supporte pas Flore. Ce que Flore a fait, on ne fait pas ça. Mais ils ont aussi poussé Flore à bout. Si Flore dit qu'on a peut-être insulté sa maman, bon, pour le moment, on n'a pas les preuves. On attend les preuves. Ouais. Et si les preuves là viennent sur la toile, c'est que Flore a raison. Parce que toi, mais maman Dorcas, tu protèges tout le monde. Nous tous, nous protégeons nos familles. Même Dolem Yonto qui est venue dans le live là, je suis sûre qu'elle protège sa famille. Ah, oui. Moi, je peux donc on sait qu'elle peut dire à Nicole ce qu'elle laisse. Parce que Flore a encore les voix. Et nous tous, nous connaissons Flore. Si elle continue, elle ne peut pas s'en sortir dans le clash avec Flore. Elle laisse le peu qui est là. Et puis, on fait avec. Et puis, on fait avec. Parce que la maladie, là, c'est pas une maladie. C'est la bon, maladie, maman, là, c'est pas une maladie. Ce n'est plus une maladie étrange. On a les maladies plus dangereuses que ça de nos jours. Donc, le conseil qu'elle peut dire à Nicole, c'est qu'elle laisse toutes les histoires de clash. Elle ne pas se concentrer, elle se fait une formation. Elle fait une formation, elle s'occupe de sa famille. Rester tout le temps dans sur Facebook, elle fait le clash. Elle a vu ses grandes sœurs ont fait les clashs. Elles ont eu quoi avec ça? Elles n'ont rien eu avec ça. C'est mon conseil que je donne. Mais si elle veut continuer dans les clashs, elle va. Elle va pleurer. Elle va pleurer. Flore, quand elle commence, elle ne laisse pas. Et si Nicole ne se calme pas, ça va aller jusqu'à. Ça va aller jusqu'à. Donc elle-même, elle va regretter. C'est mon conseil à Dorcas. Merci. Je ne viens pas tôt, ma chère est venue me voir. C'est, j'ai complètement oublié qu'il fallait qu'on achète quelque chose pour aujourd'hui. Elle voulait faire le sang. J'ai dit que c'est mon ami. Ma Dorcas, tu peux parler. Oui. Oui, maman parle. Bonjour à toi. Bonjour, ma Dorcas. Vous parlez seulement que Flore a envoyé le boss. Vous en Compression avait dit que la femme de Messar avait le sida. Tu étais où pour parler? Avait dit que. Je t'ai dit avec le sida, tu es prêt à parler. Pourquoi vous voulez toujours jeter la pierre sur les autres? Flore n'a pas ouvert sa bouche que la mère de Nicole le sida. C'est un boss. Elle est là. Vous voulez tout
sur Facebook, tu as toujours les choses de l'autre côté. Mon président avait dit ici là que la femme de Messa a le sida. Vous n'avez pas parlé, vous avez fait bouche fermée. Nicole, elle-même est partie dire que Dick Ambido a le sida. Elle a fait bouche fermée. C'est quoi, vous voulez qu'on la fasse? Quand ça vous arrange, là, vous tirez. Tu dis que Nicole doit laisser. C'est pas bien. Nicole, reste tranquille, ça va passer. C'est un truc comme ça, ça va passer. Ne reprends plus. Donc, tu es d'accord avec moi, qu'elle laisse, non, maman? Oui, qu'elle laisse. Qu'elle laisse, ça va passer. Ça va passer parce que tout le monde là-bas fait du sale. Ils ont parlé, la famille des gens ont le sida. Ils n'ont pas parlé. Maintenant, un vol sort. Vous dites que Fleur de Lis a dit que moi, je ne suis pas abeille. Je vous suis vous tous. Mais tout le monde, du calme, vous tous. Quand c'est pour Fleur, donc, dites, tu es d'accord pour ce que Fleur a fait? Non, je ne suis pas d'accord, ma docteur. Voilà. Je suis aussi en train de dire aux autres. Ils sont seulement en train de venir piger tout. Donc, ils disent non, ce que Flo a fait n'est pas bien. Quand même, mes propres patronnes insultent d'autres qui ont le sida. Pourquoi elles n'ont pas sorti pour dire qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi c'est pour l'autre qui sont en train de dire qu'il faut que l'autre vienne se venger? Arrêtez ça! Arrêtez! Vous exagérez là. Je ne suis pas d'accord avec Madoka. Moi, je suis tout le monde parce que d'autres, tu vois un peu dans Madoka. Elle-même, Nicole, elle fait sortir avec sa propre bouche. Dit que Abido a le sida. C'est de l'un million de terre où vous dites que non. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu parles ça? Aujourd'hui, le vol de sa maman sort qu'elle-même elle déclare. Ce n'est pas Flo qui déclare. Au lieu de dire à Nicole, laisse ça tomber. Laisse que ça passe. On veut juste continuer les vols. Ce n'est pas bien. De l'un million de terre, ta maman, tu gardes ta maman. Tu laisse Nicole tranquille. Elle est venue faire son blog. Elle peut décrypter. Elle peut tuer ça. Merci, Dorcas. Vraiment, c'est pas bien. Je suis en train d'activer la haine. Elle lance encore un lave-lumière. Elle fait monter les gens pour qu'on insulte la maman de Flo. Et non, quand toi, tu fais comme ça, tu crois que Flo ne va pas sortir. Tu crois que tu peux faire quoi qui va empêcher Flo de lire le fond? Madokas, tu regardes c'est tout ce qu'on va raconter sur Flo. Même les TK se savent ça. Que ce n'est que le réchauffé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Madokas, mais c'est pour ta famille qu'il y aura du nouveau sous le soleil, ma fille, ma petite soeur. Mon bébé Kecha, tu veux qu'on t'explique ça comment? Madokas, j'ai suivi le live de TikTok de Kecha. Elle a insulté la mère de Flo de lui avec les pieds. Je te dis une vérité. Je te jure, j'ai suivi ça. Elle a insulté directement les filles, celles qu'on appelle Linda Mori. Parce que moi, je sais pas, moi j'ai lu. Pourquoi Linda n'a pas coupé? Linda Mami Soko, Linda Mami Congo, ça que. Non. Attends, a coupé. Dokas. À l'instant, n'est-ce pas? Et dans TikTok, c'est un truc qui est très rapide. J'ai suivi ce qu'elle dit, mais c'est quoi ça? Elle est encore revenue, redit que si Fleur Lis s'amuse, elle va afficher sa maman. Regardez-vous-même, attendez, je prends d'autres gens même. Il y a les plein de monde qui veulent monter. Regardez les erreurs. Elle dit qu'elle a porté plainte contre Fleur de Lis. Et elle amène les gens sur son plateau pour insulter la maman de Fleur de Lis. Ça annule la plainte là jusqu'à ce n'est même plus bon. Je ne connais le lendemain. Pas le conseil. C'est la même chose qu'elle avait fait avec moi quand elle avait dit qu'elle me portait plainte. Après, elle a amené les gens qui m'ont insulté, insulté mes enfants, insulté mon mari, insulté ma peu maman. Madoka, quand bon, elle était maintenant, quand tu vas porter plainte à Fleur de Lis, elle amène ton propre live là où tu es en train de laisser les gens insulter sa maman. Tu crois que quel juge va te donner gain de cause? Madoka, même le jour là même, elle a lancé le live, insulté la maman de Fleur. Le même jour dans la nuit là. Jusqu'à composition un peu, dans la page de composition, elle a publié et puis réeffacé. Vous comprenez, non? Elle a le même jour là, dans la nuit. Quand tu as fait le voice. Bonjour, maman Adrien Yungu. Je vais juste dire à Nicole que. Qui est le bébé là-bas qui pleure comme ça là? C'est qui? Ici. Maman Dorcas, oui. Je voulais juste dire à Nicole que les gens qui sont derrière elle sont les quoi? Ils sont en train d'exciter Nicole à faire du sale et me donner Bobolo. Je ne crois pas
que Dolé Bobolo peut demander. Moi, maman, je suis pas là pour prôner le tribalisme, mais quand tu amènes le monde par là, je ne veux pas entendre ça dans mes oreilles. Pardon. Pardon seulement. Tu peux reformuler ta phrase autrement. Je ne veux pas entendre le mot là. Non, c'est la même chose quand quelqu'un te dit que nous sommes tribales. Toi, tu dis qu'ils sont tribales. Qui alors finalement tribal? Qui est tribaliste sur Facebook alors? Maman, nous sommes les Camerounais. Chacun donne son avis. Donne ton avis, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec l'Inqua. C'est les teams, non? Dans la team de Composo, il y a les Bamleke dedans beaucoup. Je vois ce qu'on appelle la vieille peau de Nathalie Ngancha. Elle est chez Composo, non? C'est une Bamleke. C'est une Baranté, je la connais. Elle parle de le Baranté. C'est une Baranté. Donc, il n'y a pas seulement les Bamleke là-bas. Ils sont mélangés dans la team de Composo, là. Les TKC, les Bamleke sont dedans comme ça, plein. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'Inqua. On ne peut pas dire ça. Je ne vais même pas me cacher. Moi, Corbani, cachez-vous l'homme. Je vais me montrer. Il dit que ma Dorcas, bonjour. Qui est en train de parler? C'est Adrienne Youmi, parce que c'est Adrienne qui a la parole. C'est Mimi. Adrienne, tu as fini. Oui, maman Dorcas. Non, en fait, moi, je pense que Nicole Ketcha, à l'heure que nous sommes là, qu'elle laisse tomber. Qu'elle laisse tomber parce que c'est sa maman qui serait salie qui sur Facebook. Qui serait salie? Qui est en train d'être salie? L'encourager. Quand je te parle des gens là qui l'encouragent, parce que toi, tu es Bami. Je sais pourquoi tu dis oui, c'est les teams oui, qui l'encouragent. Ça n'a rien à voir avec les bambous ou les écrans. C'est la maman de Nicole qui serait exposée. C'est en train d'être sale. C'est des sales. C'est la maman de Nicole qui serait exposée sur toute la plateforme. Ok, Adrien, merci, Norma. Adriana. Oui, ma chérie, tu as la parole. Toi-même d'abord. Mais celle qui est là, tu es en train de parler avec nous, tu parles avec ton gars là-bas. C'est toujours à cause de la fille que... Maman, elle est là, qui est le Congo. Elle est dans mon live, elle fait le Congo à côté. C'est quoi comme ça? Ouais. Elle est bien aux États-Unis. Regardez-moi, maman, elle fait le Congo ça de mon nom. Elle est dans mon direct. Elle fait le Congo ça de mon nom. Elle dit qu'elle vit au Cameroun, son mari aux États-Unis. Elle fait le Congo ça de mon nom. Elle oublie qu'elle est dans mon live. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est quelle façon d'aimer le Congo ça comme ça là? Elle est dans mon live. Elle avait où c'est son mougouillot ou c'est qui? Elle fait le Congo ça de mon nom et elle est dans mon live. Seigneur, Dieu va me délivrer un jour de vos mains, ça c'est sûr. Pasteur, tu veux qu'elle te prenne ici? Elle va te prendre pour. Tu vas venir dire quoi ici? Pasteur, entre nous. Tu vas venir dire quoi ici, Pasteur? Elle va venir te prendre ici là. Tu vas dire quoi de bon ici? Va dans ta part, tu continues à m'insulter là-bas, dis donc. Bonjour, ma. Bonjour, ma. Allô? Oui, ma chérie, je t'écoute. Ah, ok, attends, j'arrête un peu. Bon, Madoka, si moi je prends la parole pour parler, tu comprends un peu? Oui, ma chérie. Je vais donner ma part d'avis par rapport à ce qui se passe. Tu sais, Nicole ou Nicole est arrivée. J'ai vu ton live que tu as fait l'autre jour pour interpeller Nicole. Il faut que les gens apprennent à dire la vérité. Tu as interpellé Nicole avant que le voice nous sorte. Merci. Parce que quand Nicole est venue, sur la toile, dit comme quoi, quand Flore est venue, dit que fais attention à moi, look up. Si tu ne fais pas attention à moi, là, je vais te faire descendre, je vais te faire que tu vas marcher ou tu vas parler seul. Et direct, quand tu as vu le voice de Flore, connaissant déjà qui est Flore, tu es parti interpeller. Nicole a lancé le live après ça pour dire que montre, elle a commencé à taper sa poitrine. Tu es parti écrire dedans pour dire fais attention. Dieu merci. Tu es en train de partir, là, ça ne serait pas bien pour toi. Donc, retire-toi vite dans l'affaire, là, sinon tu vas prendre Gros Njangui. Maintenant, quand on parle que Flore a fait que, si Nicole t'avait écouté en ce moment-là, le nom de sa mère n'est pas sorti. Le voice de sa mère n'est pas sorti. Et où c'est que les gens sont en train de l'encourager, là, tous ces gens-là sont déjà publiés.
Tous ces gens, leur vie sont déjà sur Facebook. Il n'y a plus rien qu'on va dire sur Flore qu'on ne connaît pas. Donc, tout ce qu'on est en train de dire de Flore, ça n'a pas de vie aussi bien à Facebook. Ce qu'on est en train de dire de Flore, là, c'est du réchauffé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Flore va mettre un bim, c'est sa mère qui aura choc. C'est la mère de Nicole qui aura choc. Nicole, où elle est là? Nous-mêmes, on était assis, si on ne savait pas que Nicole, où elle est là, elle avait perdu son mari, elle avait perdu l'enfant. Au lieu de rester tranquille, quand tu sais que tu es dans les situations pas bien, prends sur toi et retire-toi un peu pour te concentrer. Les gens sont en train de l'encourager. Fais comme ça, fais comme ça. Tu es dans le live, tu fais et le live. Et sa mère a beaucoup parlé même sur elle. Hein. Les trucs, elle ne veut même pas que ça tourne sur Meta. Elle sait au point de essayer. Mais ces gens qui sont en train de l'encourager. Parce que connaissant sa mère, si ce que sa mère m'a dit à moi, Dorcas, elle a dit ça à Flo. Mais si elle est partie déjà dit son zéro, quoi, la maman, ou une me c'est déjà trop, ça allait loin. C'est lourd, c'est beaucoup, c'est lourd. Flo a vu le direct de Nicole et elle a dit que rendez-vous tout à l'heure à 12h, non. Que où tu vas aller là, je vais t'amener là-bas. Donc, pour montrer déjà que Nicole ou Nicole est petite. Nicole n'a pas la force de faire le clash avec Flo. Flo a les balles réelles sur elle. Nicole n'a aucun balle sur Flo. Tout ce que Nicole a en train de dire là, on a dit ça sur Flo, ça n'a rien changé. Ma foi est debout. Elle a dit qu'elle devait porter plainte. Tu portes plainte au Cameroun. On te dit et que tu connais. Pourquoi un live, on vient insulter la maman de Flo dans ce live? Si Flo enregistre le live là au tribunal, quel juge va te donner? Ouais, Seigneur, toi, pourquoi? Parfois qu'il faut bien être encadré pour qu'on te donne des bons conseils. Tu devais faire profil bas et tu planifies la plainte sans maudit. Maintenant, tu lui as donné les balles contre toi. Tu expliques à ta maman et tu peux lui porter plainte qu'elle a fait du mal à ta maman. Vous êtes les clasheuses de Facebook. Mais tu portes plainte parce qu'on a mis on a sorti les secrets sur ta mère. Ce que tu es en train de faire sur sa mère hier là, que ce n'est pas aussi les secrets. C'est les secrets médicaux qu'on dit qu'on porte les couches, non. Donc, du tout, pour faire comprendre que je ne sais pas si elle est même, elle s'entend parler. Mais je veux juste dire à Ketcha, ce qu'elle est en train de faire là, où elle est en train de partir là, qu'elle sache que c'est elle qui va prendre les comprimés. Elle va prendre les comprimés et qu'elle pense au moins ça, la pauvre maman qui est au Cameroun là-bas. Si elle sait, au moins, même si elle n'aime pas, même si elle sait que c'est cette femme-là qui a porté 9 mois dans son ventre, qu'elle pense à elle. Mais parce qu'elle est en train de pousser sa mère. Que les charges, rien que les vidéos des insultes que tu as fait sur les gens sur Facebook. Elle ne veut pas. Elle amène ça dans un tribunal. Maman, il n'y a aucun juge. Mais si tu amènes d'abord quel juge. On va t'arrêter toi-même, Nicole. Quel jugement de comment tu me depuis quand on parle que Nicole a fait le mal. Laisse-la faire là. Tu ne comprends pas. Et tu m'interpelles que je dois venir me mettre Flo à dos pour toi. Mais on attends. Il n'y a pas par rapport à quoi Moi, Dorcas, je vais venir prendre Flo. Je me mets Flo à dos. Mais maintenant, tu as prendre le cadavre de ma mère et lui donner quel poste à sa foule. Mais entre-temps, au début de son live, que c'est toi qui as ramené sa mère sur Facebook. Elle n'a pas dit au début de son live que c'est toi que tout ce qui se passe, c'est toi qui as commencé. Donc maintenant, elle dit que toi, tu vas venir mettre, que tu viens te joindre à elle là. Un jour, dans quel camp? Moi, je ramène ta mère. Mais tu dis que c'est moi qui ai ramené ta mère dans les sottises de Facebook. Après, tu dis que je viens m'ajouter à toi pour qu'on parle de combat. Quel combat? Quel combat? C'est ta sœur qui était ta mère quand tu me combattais. Oui, quand tu cherchais les preuves pour venir donner pour moi, je vais faire quoi? Tu as dit ici là que c'était maman. Tu nous as insulté, Lolo et moi, copieusement que oh, nous sommes les quoi. Tu m'as lavé ici avec Lolo. J'ai tout fait pour retirer Lolo de ta gorge. Tu as dit que tu meurs avec Lolo. Et que nous étions les démons de Facebook. C'était tes vraies mamans. Aujourd'hui, tu as les preuves avec tes vraies mamans. Tu appelles moi Dorcas. Les gens de venir pédé. Elle ne laisse pas. Flo de Lilado. Maman, calm me out, please. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Reste dans ton coin. Tu m'appelles Dorcas et tout ce que tu veux là. Reste là-bas. Continue seulement à m'insulter. Mais Bintibou, ne m'appelle pas. Pour tout ce bon. Tu l'as par rapport à ta maman. Et tu ne vas même pas faire la foudre. Mais prononce le nom de ma maman. Parce que ta maman a dit que si elle meurt, elle préfère que je l'enterre, que toi tu viens l'enterrer. Oui. Tu as compris? Oui. C'est pour ça que je me mets cette maman. Donc je ne te vois même plus que tu es même parental. Elle. Je ne te vois même plus que tu es sa fille. Mais je défends que cette femme-là, qui est venu se retrouver dans un panier à crabe. Parce que Facebook, c'est le panier à crabe. Madocas,
Pardon, elle est venue se retrouver dans un panier à crabes et elle est encerclée par les crabes de Facebook. Et c'est toi, sa fille. Moi, dans Casso, je vais parler. Tu peux donner le numéro de téléphone de ta mère à tout le monde à Facebook. Tu as le numéro de la mère de Perpétue. Madame, tu as le numéro de la mère de Fleur de Lille. Si tu m'as tué une minute, tu m'en sois pardon. Maman, tu veux, tu avais le numéro de ma mère. Tu as eu quoi dans ta tête là pour prendre ta maman venir distribuer son numéro partout à Facebook, appeler ma mère, sachant le genre de maman que tu as. Madoka, je peux parler une minute et descendre. Je peux donner le numéro de ma maman. Ma maman qui est morte à quelqu'un, 20 ans, King Kong. King Kong, quelqu'un ne peut pas avoir un truc que ma mère a parlé en mal de moi. Jamais. Madoka, il dit que Mathieu, une minute, bonsoir, pardon. Il veut parler, pardon. Ne dis pas que il y avait plein de demandes. Là où le réseau est parti, ça a effacé les demandes. Je l'ai pris, ce n'est pas entré. Bon, du tout, je veux, si elle veut parler, Madoka, est-ce que c'est possible qu'elle parle même en Baranta, Kecha? Parle en patois, toi, maman, Adjouri, arrête ça. Ce qu'elle veut dire, Kecha, c'est qu'un Kecha, un bon jour, on l'a joué, je m'en là. Où est-ce que bon, tu m'as dit, on dit, bosse à l'aide là, bon, miakmo. On dit bon allez la bonne mère flog but ça y est également que tu joues ma choula j'aurais un zara là bas y a problème on zara problème y a une maman la Cameroun je t'entends ta maman la vince Cameroun la ou un quoi moi je veux quoi ils sont les d'abuchila à vince nam je ne quoi ma tu m'as tum tum bandeau tu dois bencher là dois tu dois bencher là ongu moyen numéro tu quand je joue ma maman la quand tu ouvres ce tu blabla bah ns woman ka len dogo nen un kumun nen chun chun bala chum chum jo bun chun bala ba chum dam ba no chum dam shi o ba chum dam shi sa sa ga ta pu toi ma ni ta tu fang bu ya ba chun mu me bu so chun mu me fa fam bu chun do ta bu mi ka de bu chun do la o yin za to la parce que mama la kam ra ga bet tu so jam bu fang ka ben fa ba mu ni fang inja me so len san chun ba chu facebook ko len mama san chun ba chu facebook Aba que d'abord maman n'en tue carré fou là. Ah ou t'es carré fou. Tu vas combattre qui, laisser qui, maman. Hein? Tu vas combattre qui, hein? Laisser qui. Les faux profils sont là. Les lolomagnas et les abeilles. Ils sont d'abord combien? Tu peux t'en sortir, mamie? Bonne journée, maman. Bonne journée, maman. Eh, ma djia, que djia. Avec tout ce que je t'ai parlé hier là, où venez ma live, n'y a pas de bouchard, maman Flo. On est quoi, même au fil des gars, il y a un combat pour flog, quoi, ou là? Nous-mêmes, on a essayé, même face à moi, Kecha, tu ne peux pas le clash. Moi-même, je suis allé en guerre contre Flor, je n'ai pas pu. Moi-même, personnellement, je suis allé en guerre contre Flor, je n'ai pas pu. Avec tous les lieutenants qui vont avec. Avec l'une ou l'autre grande clasheuse de Lolo. Et tous les lieutenants de Lolo et ceux aussi qui me suivaient. Pas pu. Et nous sommes allés en guerre comme ça, là. Elle n'avait pas les balles sur nous. C'est pourquoi on a pu réussir même la guerre là à 70%. Parce qu'elle n'avait pas de balles. Moi, précisément, Flo n'a pas de balles sur moi. Flo n'a pas de balles. Le jour que Flo a le jour que Flo ne me tient pas les mimbans, que je vois que ici, là, c'est un dossier que maman. Je quitte moi, je ne dis pas je quitte Facebook, je respecte mon couloir. Je respecte mon couloir parce qu'il y a les vérités que tu ne veux pas que ça sorte sur Meta. Tu as compris? On a dit sur Meta que oh, c'est moi qui avais tué ma mère. Je ne gère pas parce que c'est le Congo ça de Facebook. Même une de mes cousines peut venir peut-être demain que j'ai les problèmes avec elle. Elle vient sur Facebook dit que oh c'est vrai, ce que vous dites là sur Facebook c'est donc parce que tout le monde est sur Meta et les gens profitent parfois de ce qu'on raconte sur toi sur Meta. Même ta propre famille ils utilisent ça pour venir te clasher avec. Ils viennent dire que oui c'est vrai, c'est elle qui avait tué notre tante, c'est elle qui avait tué la maman. Alors vous avez dit que c'est moi qui ai tué mon enfant, j'ai dit oui non, j'ai refusé. Vous avez dit que oh, j'ai tué Solange, Kecha, c'était elle. Le lieutenant en chef qui m'a collé toutes ces étiquettes-là sur Facebook. Et tu m'appelles aujourd'hui de venir faire quoi? De venir faire quoi, mamie? Ha! Kacho! Maman, nous-mêmes, tu ne... Nicole, laisse ce qu'on te dit là. La guerre là. Tu as compris? Protège ta mère. Ma petite soeur, protège ta mère. Tu ne peux pas gagner une guerre. Tu ne peux pas gagner la guerre contre Flor de Lille. Tu ne peux pas. C'est comme si tu vas te lever demain, tu dis que tu vas aller en guerre contre Compressor. Tu ne peux pas gagner. Parce que c'est les
filles qui sont tenaces. Tu as commencé sur Lolo. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas gagné la guerre contre Lolo. Lolo est tout là sur Meta. Alors que tu as dit que tu vas la mettre à terre, tu vas la mettre à genoux, tu vas me faire quitter Facebook, moi. Tu n'as pas pu avec moi. Moi qui n'ai même pas les abonnés comme les fleurs de l'île et les compresseurs, les Lolo. Allô? Tu n'as pas pu avec moi. Ce n'est pas Flore que tu pourras. Même avec tes alliés là. Ce qui est sur toi, que tu ne peux pas faire quitter Flore de Facebook. C'est ça qui est la vérité. Mais ta maman va être traînée dans la boue. Tu veux que je te dise ça en quelle langue? Oui, maman. Je peux parler, Dorcas. Laisse-moi parler, Emma. Je sais que tu m'aimes mamie pas Congo beaucoup. Ça. Mamie Congo, ça. Parle. Laisse-moi parler. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu viens tout monter dans mes lives. Oui, je vais encore te dire la vérité aujourd'hui parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Mais laisse-moi parler. Mais si tu veux que je parle. Mais quand je te descends, non, tu sais ça. Tu sais non, pas comment me cacher. Moi, tu viens reprocher. Si tu veux donner ton avis, donne ton avis. Quand tu viens reprocher Flo que Flo a mis la maman de Ketcha dehors, tu as oublié le live que tu avais fait qu'on a coupé la mère de, le pied de la mère de Flo. Moi, tu as oublié. Non, sortez le live là, arrêtez le Congo ça. Tu étais dans un live sors avec le live, vous devez trop mentir. Non. Je refuse le mensonge là. Je refuse ce mensonge. Que Flo de Lille elle-même fasse un live là où elle confirme que j'ai un jour insulté sa maman. Parce que vous les faux profils, vous bavardez. Flore de Lille elle-même n'a jamais confirmé que j'ai insulté sa maman. Non. Ce que Flore de Lille dit, c'est que j'avais insulté la maison de sa mère. OK? Ce que Flore de Lille répète tous les jours dans son live, c'est que quoi? J'avais insulté la maison de sa mère. Voilà ce que Flore dit. Et ce que j'avais fait, j'avais insulté que la maison que Flore a construite à sa maman, qu'elle dit que c'est elle qui a construit. J'ai dit à Flo que, hey, maman, toi, une benguise, tu peux construire la maison de ta mère, tu mets encore le jardin de vitre ici. La maison que vous avez vue là-bas, ce n'est pas moi qui ai construit pour ma maman. C'est sa maison, elle-même qu'elle a construit. Ça avait été maman Anna qui avait construit cette maison. Je n'allais jamais m'attaquer à cette maison parce que la maman a construit avec ses moyens de bord qu'elle avait. Mais je me suis attaqué à la maison de que Flo dit que c'est elle qui a construit, que Flo, pour toi, une bengue, tu construis, tu mets encore le genre de fenêtres et de vitres, les vitres flip-flop. C'est comme ça que j'avais appelé ça. Flo ne m'a jamais pardonné à cause de ça. Flo m'a gardé d'en haut jusqu'au jour. C'est que Flo est rancunière. C'est une personne qui est rancunière. Flo n'oublie pas. Tu clashes Flo. Elle garde ça au frais. Même si elle se réconcilie avec toi, elle garde ça au frais. Le jour qu'elle aura les balles contre toi, elle va se rappeler que tu l'avais insulté avant que vous avez fait la paix. C'est un peu ça qui est en train de se passer avec Nicole. Flo n'a jamais digéré le fait qu'elle lui insultait chez Decom. Flo n'a jamais digéré ça, le fait qu'elle lui insultait chez Decom. Flo n'a jamais oublié. Jamais. Donc, on l'a dit cela que, oh, t'es insulté, maman Anaconda a coupé le pied. Sortez la vidéo, je veux voir. Vous avez toutes mes vidéos. Vous êtes en train de faire tous les remember. Sortez le remember là où moi, Dorcas, je mets ma caméra. J'insulte la maman de Flo. Sortez cette vidéo. Laissez votre mensonge. C'est la même chose quand on vous a dit que sortez la vidéo là où Nicole est en train d'insulter sa maman. On vous connaît dans la manipulation, le mensonge. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucune vidéo qui montre que Nicole s'est attaquée à Flo. Sortez même la vidéo là où elle est en train d'insulter Flo elle-même. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous les abeilles, vous connaissant, sortez, on va voir. Donc, tout le monde a cru que c'est la guerre froide de compresseur et flore que la maman de Nicole est en train de bouffer le Ndjangé. Ça n'a jamais été à cause de Nicole. Ça n'a jamais été à cause de Nicole parce que je ne vois pas ce que Nicole a fait à Flore. Sortez les vidéos. Depuis hier, là, je cherche. Vous mettez mes remember. Vous êtes en train de mettre mes remember. Vous mettez mes remember. Pourquoi? Est-ce que je nie que j'avais clashé Nicole? Je ne nie pas que j'ai clashé Nicole. Est-ce que Nicole est même à de l'oulet? Vous sortez mes remember là où je clash Nicole, je clash compresseur. On était en guerre, non, maman? Sortez-moi un live là où moi, Dorcas, je suis en train de publier les tutos top secrets de sa maman. Jamais j'ai protégé cette maman-là sur Meta. J'ai protégé la maman de Ketcha sur Meta. Ok?
J'ai parlé en Kétia que ce que tu es en train de faire là, que tu m'as laissé, tu as pris le numéro de ta maman. Donne à toutes les blogueuses de Facebook en Kétia, tu vas lire leur sur Meta. J'avais dit ça. J'avais dit ça. Quand elle a commencé à distribuer le numéro de sa maman à tout le monde, j'ai dit ça, que c'est une erreur fatale que tu es en train de commettre. Le retour de ça sera catastrophique. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Est-ce qu'elle a compris? Elle n'a pas compris. Elle a dit qu'elle était un king con. Sortez tous mes remèmes que je cache un ketchup. Est-ce que c'est que je ne suis pas en train de la classe? Je nique les pas. J'ai fait ça propre et sans vaseline en ketchup. Est-ce qu'un ketchup ne connaît pas ma force de frappe? Elle connaît ma force de frappe. Je lui ai mis ça là où il fallait jusqu'à quand ketchup faisait le lac, quelqu'un écrivait seulement mon nom. Ketchup dit que non, 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 n'écrivez pas le nom de la femme là ici là. Tellement je lui avais mis ça là où il fallait. Mais je ne me suis pas attaqué à sa maman. Je me suis attaqué à la personne d'un Kétia et ses alcooliques à l'époque. Et c'est ce que je demande. Vous faites les guerres de Facebook, attaquez-vous à la personne, laissez les familles des gens tranquilles. Je ne peux pas on a dit, ma faute de retour, comme tu es en train d'entrer là. Je veux les preuves. Je veux les preuves. Bonjour. Madame, allô. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Je t'écoute très bien. C'est comment? Linda Monnery vient de dire qu'elle t'a envoyé la vidéo où Nicole était en train d'insulter la mère de l'autre. Elle a écrit son... Elle m'a envoyé. Oui. Elle a écrit tout à l'heure qu'elle ne peut pas poster ça parce qu'elle ne poste pas là où on insulte les mamans des gens. C'est ce que Linda Monnery a dit. Voilà, c'est que peut-être Linda, ce n'est pas moi que tu as envoyé. Voici mon WhatsApp, maf. Je ne vois pas ton nom. Linda, tu as envoyé ça où? Il faut les commentaires. Envoie Linda, on va faire écouter en direct. Envoie ma chérie. Mon numéro, attends Linda, voici ça, le plus 1. Tu fais le plus. Et tu as envoyé sur WhatsApp le plus 1. 346 255 0918. Envoie la vidéo. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Si vous envoyez la vidéo là où elle est en train d'insulter la maman de Flo, je lave ma main en direct devant vous. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. S'il y a la vidéo, vous m'envoyez ça. On met en direct et nous tous sommes validés. C'est là qu'elle a insulté la maman de Flo. Je vais porter l'eau. Je vais demander à me donner l'eau dans une bassine. Je vais laver la main. Je vais dire que c'est des bonnes guerres. Tous ceux qui insultent les mamans des gens, si quelqu'un d'autre veut insulter, ça vous regarde. Mais moi, quelqu'un insulte ma maman, je n'insulte pas la maman de quelqu'un. Mais Flore, on insulte sa maman, elle insulte, on connaît déjà Flore comme ça. Donc, c'est que c'est de bonnes guerres. Mais je veux les preuves. Linda, voici le plus 1, 346, 255, 0918. Envoie Linda. Envoie maman. Ou tu as envoyé ça sur quoi? Sur Messenger. Tu as envoyé sur quoi, Linda? Envoie. Tu comprends, non, ma chérie, ma faute de retour. Oui. Tu as compris? Emma, voilà. Voilà, parce que ce qui pose problème maintenant, c'est qu'on n'a pas de preuve, aucune preuve que Kétia s'est attaqué bon, moi, à la maman. Moi, j'ai vu le direct là. Moi, j'ai vu ça. Bon, c'est pas tout le monde qui fait les coupures. Je sais, Linda, si tu as ça, tu donnes comme ça. Mais moi, j'ai vu ce direct. J'ai vu soit sur TikTok et j'ai vu le matin, j'ai vu le direct que, et tu sais même que le direct que l'autre a partagé là, c'était un point de dire où elle insultait la maman de l'autre. C'est pour ça que, si tu as remarqué, dans le direct de, elle a lancé notre direct Nicole. Compresseur entré a demandé que, mais Nicole, le direct que tu as fait là, tu as insulté la maman de Flo. Elle a refusé, alors que c'est faux. Elle a fait jusqu'à montrer les pieds de la maman de Flore en direct. Elle dit que c'est fou. Elle dit qu'elle n'a pas fait. Arrête-toi un peu. Elle a montré ça. Oui. Moi, j'ai vu ça. Hey. Pardon, je peux vite parler. Je suis au boulot. Je peux vite parler. Oui, maman, parle. Ma chérie, bonjour, parle. Maman Dorcas. Bonjour, ma belle. Maman Dorcas, je ne supporte personne, mais je viens juste révéler un fait. Quand tu dis que Nicole n'a pas insulté la maman de Flore,
Quand elle lance un direct et que les gens montent dans le direct, insulter la maman de Flo, insulter Flo elle-même. Et elle accepte, oui, yeah. Elle dit, attends, ne me coupe pas, ne me coupe pas. Vas-y. Les gens insultent copieusement Flo, les gens insultent maman Anna. Elle ne dit rien, mais qui ne dit rien consent, non? Elle mm-hmm. a fait plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas coupé. Moi, j'étais dans tous ces directs-là. Que les gens sont montés insulter maman Anna, copieusement insulter Flo. Copieusement même. Mais ça m'étonne que vous dites que non, elle n'a pas insulté. Elle a maman, bien insulté. Maman n'est pas Linda qui qu'elle nous envoie les trucs là. Elle envoie à Mondo Vision. Maman Dorcas, met ça à Mondo Vision. Maman Dorcas, je ne dis plus. Je suis pas en train de dire que tu supportes Nicole, que tu supportes qui, que tu suis la toile. Mais je te dis ce que moi-même j'ai vu. Les gens sont montés dans la vidéo, dans ton direct. Insulter maman oui. Anna copieusement, insulter Flo copieusement, juste à dire que maman Anna est en train de se décomposer petit petit. Est-ce que Flo ne voit pas bien même? Où elle a montré les pieds là qui m'a choqué. Deux, trois personnes peuvent dire ça et comment? Oh. Ma vraie, elle a montré les pieds de maman Anna. Moi, je n'ai pas vu les pieds, mais je sais qu'on a bien insulté maman Anna, lavé Flo et maman Anna. Moi, j'ai vu où elle a montré les pieds. Après, je suis sortie, je suis partie. Même hier, elle a dit dans son direct que maman Anna porte les couches, non? Comment vous dites, vous dites qu'on invente? Est-ce que deux fois... que Linda m'a envoyé ça sur Messenger. Deux, trois personnes peuvent dire les trucs comme ça et que c'est le mensonge. Nous sommes quand même des grandes personnes. Je suis au boulot, c'est ce que je montais dit. Merci. Merci, ma. Je suis dépassée. Franchement, si c'est que regarde ton messenger. C'est ça que je suis en train de vouloir regarder là. Parce qu'on va écouter ça en direct. C'est ça que je suis en train de vouloir regarder. Nicole, ce que tu fais là, tu vas payer sa chair. Ce que je suis en train de faire là. Si tu ne peux pas protéger ta maman, les autres protègent leur maman. Voilà. Apprends à protéger ta maman. Si tu veux, laisse ta maman. On expose ta maman, après tu viens te victimiser. Les gens te soutiennent aujourd'hui, ça va durer jusqu'à quand? Oh, wonderful. Vous avez la chance de vous. Mamie Soko, voici la mamie Soko qui m'appelle. Eh, hey, vraiment, maman Dorcas, ne tue pas mon ton faux profil. C'est bien, ça va, je ne dis rien, c'est bon. Je cherche. Elle a envoyé sur quoi? C'est sur Dorcas Jink officiel. C'est sur ça, non? Vous voyez, non? Quand vous dites demande pas humiliation, personne. Moi, je vais savoir. Linda, voici mon nom. Elle a envoyé avec un nom. Voici la preuve, ok. Où est la preuve alors? Moi, je vois une personne qui a écrit voici la preuve, mais il n'y a pas de vidéo. En train de charger. Ou alors, dis à Linda qu'elle renvoie. Je suis déjà sur mon messenger. Linda renvoie alors, Mako. Ou alors, elle te donne même. Tu es pas, tu fais écouter ça en direct, Mako. Emma. Linda, envoie-moi ça un peu aussi. C'est possible. Dis-le de t'envoyer parce que vous vous faites confiance. Elle peut t'envoyer ça même sur WhatsApp. Tu fais écouter, on va écouter. On va écouter et les gens vont juger. On va écouter. Si elle insultait la maman de Flo, c'est de bonnes guerres. Je lave ma main. C'est de bonnes guerres. Parce qu'il ne faut pas faire des choses et quand ça te barfaille à demain, tu te plains que oh, oh, oh. Non. Quand vous posez les actes, assumez vos actes. Assumez vos actes. Si c'est vrai que tu as insulté la maman de Flo de lui sur TikTok, jusqu'à monter les pieds de la maman là. Dis comment elle se décompose et tout. C'est que Flo n'a que répondu à tes attaques. C'est toi qui as poussé Flo de là-bas. Moi, je ne suis pas dans le faux. Hein. Depuis hier, là, j'ai dit que je veux les preuves. Voilà.
On va écouter nous tous. Tous ceux qui sont en train d'envoyer les demandes là, moi je vous prends, ça ne passe pas. Tellement vous avez à clasher sur Facebook. Ok. On vient de m'envoyer. Voilà, voici ça. Elle vient de m'envoyer. Okay. On va écouter, non? Oui, oui, écoute. Attends, on va écouter. Ah, ma chérie, comme tu viens d'entrer là, attends, Emma. Attends un peu. Moi. Attends. Okay. On écoute d'abord, et puis on va commenter. Non, ça, c'est la manipulation. La vidéo, c'est comme envoyer, c'est la vidéo que. Que tu as fait après que ça veut dire sur Facebook, ce n'est pas la preuve. Moi, je veux voir. Je veux une vidéo. Voilà, ça, elle a une robe verte. Ça, c'est, je ne peux pas accepter. C'est la manipulation. Je veux montrer à mon dos. On va voir. Attendez. Voilà. Ça, c'est quand elle répondait déjà. Oui, c'est quand elle avait déjà mis les voix. Maman Dorcas, voilà ça. Je refuse la manipulation. Les gens ne peuvent pas venir te dire que tu as fait qu'on veut seulement péter. Non, sortez les preuves. Non, même des gars au tribunal, il faut les preuves. Sortez les preuves. Il n'y a pas de preuves. Je ne suis pas, mais je te dis que moi-même, j'ai vu plusieurs fois les vidéos où que tu as fait. Les gens sont montés sur le panel, insulter maman Anna copieusement et insulter Flo. Je ne sais pas pourquoi les gens. Vous n'avez pas enregistré. Attends, je ne sais pas pourquoi les gens qui enregistrent les directs n'ont pas enregistré ça. Elle a fait. Voilà, hein. Pas une, c'est la vidéo quand quelqu'un fait avant-hier. Quand Flo avait mis les voix, ça remontait quelqu'un. Quelqu'un est sorti répondre. Voilà. Avant ça, voilà. Donc, on ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas utiliser. Elle a répondu au clash de Flo. Elle a répondu. Nicole, renvoie la demande. Je n'ai pas pu te prendre. Nicole, renvoie. Ok, ma chérie. Celle qui vient d'entrer la parler. Parle, maman. Oui, ma bonjour, ma. Non, ça va. Tu ne parles plus. Aïe. Yannick, tu dis, mais comment? Parle, non, maman, tu es en train de donner ton avis, parle, maman. Attends, tape sur l'autre téléphone. Ok, comme maman, je travaille. Sois alors. Hein? Bon. Vous avez vu, non? Moi, je refuse la manipulation. Je refuse. Il n'y a pas de preuve qu'un quelqu'un ait insulté la maman de quelqu'un. Je ne vois aucune preuve. Je veux la preuve avant que Flore ne publie la vidéo de la maman de Nketcha. Je ne parle pas de tout ce que Nketcha est en train de faire maintenant. C'est une succession des conséquences du fait que Flore a publié les audios de sa maman. Je veux une vidéo, une seule, avant que Nicole a insulté maman Anna. Sortez-nous la vidéo, là, pardon. La paix est bien. La paix est bien. Bonjour. Bonjour, ma Dorcas. Bonjour, ma. C'est comment? Ça va, Madokas? Madokas, excuse-moi, oui. Je veux juste donner mon avis. Tu penses que Flore peut se lever comme ça, venir déposer la vidéo, les voix de la maman là depuis un an qu'elle a ça dans son téléphone? Elle n'est jamais venue déposer. C'est aujourd'hui qu'elle vient déposer. Parce que c'est ça, parce que c'est parce que je ne connais pas comment on enregistre sur TikTok. J'ai vu Nicole elle-même. Mais est-ce qu'elle m'a gens qui enregistrent, non? Il y a même Tolik.com, même Linda. Elles sont nombreuses. Elle insulte maman Anna. Franchement, moi, je ne suis pas pour les insultes des mamans. Moi, je n'aime pas ça. Que Nicole protège sa maman. Depuis un an, Flo n'a pas déposé les voices. Maman, donc, même quand on déteste quelqu'un, il faut être juste. Même quand on déteste quelqu'un, il faut être juste. Moi, je déteste Flo. Tu crois? Ah, je ne sais pas. Non. Il faut être juste.
Parce que Flo ne peut pas. Je ne viens pas sur Facebook détester les gens. Moi, je suis dans le game de Facebook. Je ne viens pas sur Facebook détester les gens, non. Parce que ces gens-là, je ne les connais pas. Pour venir les détester. Je vais détester Flo que. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit. Non. Parce que depuis un an, Flo. Juste, maman, sortez les preuves. Depuis un an, tu veux quoi? Il y a les directs que toi-même, tu sais que quand on te lave, après on efface. On te dit, si on efface, les gens n'ont pas été rapides pour enregistrer. Donc les gens ne peuvent pas te lever et dire quelque chose que, qui n'est pas vrai. On ne peut pas venir accuser parce que depuis un an, on a tes voices là. Mais on n'a jamais mis les voices là. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'elle est allée loin. Nicole a passé son temps à insulter Flo. Pourquoi Flo ne l'a jamais répondu? Pourquoi tu l'as répondu? Oui, maman. Faux profil, ma faux, elle finit de parler, tu vas parler. Oui, ma chérie, on t'écoute. Parce qu'elle a touché sa maman, et vous savez que quand on touche maman Anna, Flo devient une lionne. Mais c'est sa mère quand même. Si d'autres ne protègent pas la mère, il y a d'autres qui. Moi, une petite tante, ma mère. Moi, quand on a publié le secret de ma mère, elle devait devenir une lionne, alors c'est ça. Mais tu devais faire où c'était la guerre. Non, c'est pas ça, sa maman. Il y a des situations comme moi, je laisse. C'est pas tout le monde qui veut laisser. Moi, je laisse. La mère d'une mère, chacun protège sa maman. Comme moi, tu tentes ma mère. C'est que tu m'as dit. Je n'arrive pas à te prendre. Essaye encore. Envoie encore. On laisse qu'on dise que c'est la manipulation. Flo n'a jamais. Ma foi, c'est un bon profil. Maman, chute alors. Il y a d'autres gens qui attendent. Quand elle m'avait ses voix dans son téléphone, pourquoi elle savait que ma foi avait ses voix? Pourquoi? Aller jusqu'à attaquer sa mère. Si on te sort les preuves maintenant, donc tout le monde va venir mentir. Tu te dis ce que j'ai dit. Si je savais comment on a. Oui, Zaga. Bonjour, Papa Angel. Oui, je t'écoute. Je suis là. Hein. Allez, parlez, maman, parlez. Ma chérie, au téléphone, oui. Ma faux profilé. Oui, on t'écoute, maman, parle. Non, on ne peut pas se mettre les ventes. Parce que arrêtez ça. Flo a fait wow, secret médical. Flo est médecin. Que Christophe nourrit sa maman et que sa maman arrête de commander. C'est Flo. Elle protège sa mère. On va parler à quelqu'un de qu'elle protège sa mère. C'est tout. Si elle protégeait sa mère, c'est que sa mère n'est pas dans le téléphone des gens pour commander, pour mendier. C'est la famille. Nicole, protège ta maman. Ce qui arrive, je ne suis pas content, mais protège ta mère. Tu penses que tu as le monopole de la mauvaise bouche? Tu penses que tu as le monopole des insultes? Tu es d'abord vulgaire, tu ne sais même pas clasher. Tu ne donnes même pas le goût de te regarder. Parce que tu es sale, tu es vulgaire dans les insultes. Attends, maman, non, on donne la vie, je ne veux pas les insultes. Pardon. Pardon. Ah, mais maman, pardon, je ne veux pas les insultes, pardon tout le monde. Oui, il y a, merci maman, il y a une personne ici au téléphone, parle alors maman, parle. Je vais dire ceci, que moi je suis tous les deux, tu comprends moi donc à ça. Mais avant que Flo met les audios sur Facebook, Nicole Ketcha n'a jamais insulté la maman de Flo. Tu comprends très bien. D'accord, oui. C'est pas que j'aime Nicole, non, je la suis. Je n'aime pas parce que je suis Lolomania, tu comprends un peu. Oui. Avec tout ce qu'elle a fait sur Lolo, tu me comprends. Mm-hmm. Même la maman de Lolo, elle insultait Lolo, mais elle n'avait jamais insulté la maman de Lolo. Tu comprends très bien. Ah oui. Elle n'a jamais insulté la maman. Elle refusait même. J'étais encore allée à elle. Avant que Nicole s'est fâchée et commençait à l'insulter. Donc, tous ceux qui sont en train de dire que TikTok monter, TikTok descendre, ils ne peuvent pas te donner une preuve de ça. Tu me comprends? C'est parce que tout se retournait déjà sur Flo pour dire que Flo, ce que Flo a fait, ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler de tout ça. Si bonjour. On a reçu une preuve que Nicole a insulté. Si une preuve que Nicole a insulté la maman de Flo, hein, moi-même, je ne serais pas d'accord. Parce que en suivant eux tous,
Même comme on est Lolomania, on suit eux tous, on sait très bien que cette fille n'a jamais insulté la maman de ces deux blogueuses. Tu me comprends, hein? Oui. C'est ce qui s'est passé l'autre. Ils savent un petit peu, c'est là où elle s'est déchaînée. Tu comprends, hein? C'est là où elle s'est déchaînée. Ce que je sais, c'est que Nicole protégeait et sa patronne, compréhension, et protégeait aussi sa soeur Flore. Maintenant qu'on est en train de retourner, c'est là où maintenant ils sont en train de dire qu'elle l'avait déjà jamais, toi aussi. Que les filles arrêtent. On voit une ancienne vidéo d'avant-hier, c'est faux. Une vidéo d'avant-hier. J'ai aussi la manipulation. La vidéo d'avant-hier, c'est le répondant. Oui, oui, j'ai vu le titre de votre direct. Le but, c'est de conseiller Nicole. Réveiller ce qui s'est passé avant et tout, ça ne changera rien. Donc, Facebook, ça se passe toujours comme ça. Le truc, c'est de conseiller Nicole. Il faut qu'elle cherche sa vie. Il faut qu'elle protège sa maman. Moi, la mienne est morte il y a 2 mois. Même étant dans la tombe, là, si quelqu'un parle d'elle, je vais me réveiller. Donc, il faut qu'elle protège sa famille. Là, on voit bien dans les réseaux qu'elle est en train de souffrir. Qu'on conseille qu'elle aille. Elle a bien, si elle a porté plainte hier, elle a annulé sa plainte. Tu ne peux pas porter plainte à quelqu'un, tu fais une vidéo et dans la même vidéo, tu es en train toi-même de la maman combat. De la personne que tu as porté plainte. C'est pas, tu te combats même dans la même vidéo. Hein? Donc, il ne faut pas reprocher ce que toi-même, que ce soit Fleur qui l'a fait avant. Ou machin, ce qu'elle a fait hier, il fallait qu'elle soit, qu'elle n'accepte pas qu'on vienne parler de la maman de la partie adverse. Il fallait qu'elle demande bon, je vais te poser une question, hein, ma chérie. Oui. Tu approuves la sortie de Flor pour les vidéos, les audios ou pas? De toute façon, non. De toute façon, voilà. Non. Mais n'oubliez pas aussi, hein, il y a justice, n'oubliez pas que Flo peut se défendre aussi en disant qu'elle n'a pas écouté les trucs, hein, que la maman l'a envoyé et puis elle a balancé. Ce sont les réseaux sociaux, hein. C'est la voix de la maman, ce n'est jamais la voix de Flo. Elle peut aussi se défendre en disant qu'on lui a envoyé les audios et elle a balancé les audios et puis on a écouté les audios, qu'elle-même n'était pas aussi au courant. Donc, moi, je ne suis pas là pour victimiser qui que ce soit, mais il faut que Nicole prennent du recul. Elle-même, elle raconte comment elle a souffert. Je ne peux pas comprendre. Moi, ici en Europe, ça fait plus de 25 ans. Même aujourd'hui, je me bats encore comme une lionne. Je ne peux pas comprendre que tu n'arrives pas à la voie par laquelle elle est arrivée. Même si c'est le clash de Facebook, même si ça rapporte un peu d'argent. Entre-temps, prépare ton derrière. Prépare. Bon, si tu as un message à passer à Fleur de Lys par rapport à ce problème, qu'est-ce que tu vas dire à Fleur de Lys? Parce que je veux que chaque personne qui va passer là, qui donne un message, qui dise quelque chose à Fleur de Lys, ou alors Fleur laisse, ou Fleur continue. S'il y a maintenant quelque chose que tu vas dire à Fleur, qu'est-ce que tu peux demander à Fleur? De toute façon, le conseil que je peux donner à tout un, que ce soit Fleur, que ce soit Compressor, que ce soit Nicole, les deux autres, j'ai déjà bien vu. Je les ai même déjà bien côtoyés. Non, le problème côtoyé, est que là, c'est Flore. Le message que je veux, parler, c'est madame, que tu parles à Flore. Je suis en train de parler. Je le dis que le message à transmettre, c'est d'arrêter tout ça, en fait. Il faut qu'on avance. C'est la même chose tous les temps. Il faut avancer. Elle était dans un bon cheminement. Il faudrait avancer. Arrêtons que ce sont les teams. Et même Flore, je ne peux même pas trop me concentrer sur Flore. Parce qu'elle, elle a sa maman auprès d'elle, hein. Et elle est déjà, elle avance, hein. Nicole n'a pas sa maman auprès d'elle, hein. Nicole est encore en train de se chercher. Elle est encore en train de se chercher. Moi, je connais, je n'ai pas vécu en Italie, mais j'ai la famille qui vit en Italie. Même les Italiens, quand ils tiennent à leurs enfants, Nicole n'est pas sûre, elle peut pas avoir que les visites pour son enfant. Oh, il faut qu'elle prenne un peu de recul et qu'elle pense à elle. Qu'elle pense à elle. Ok, maman. Merci, oh. Malago, oui. Parle-moi. On a assez vu tes jolis tennis. Je suis en train de faire le sport. Ok. Donc, moi, je voulais dire, moi, je suis Nicole. Et elle connaît, elle le sait. C'est pas que je suis en train de prendre sa défense, mais
dans le live que tout le monde parlait de TikTok, là, j'étais dans ce live. Nicole n'a pas insulté la maman de Flo. Nicole ne l'a pas fait. Et elle a montré les pieds de la maman de Flo. Elle n'avait pas montré. Elle n'a pas montré les pieds de la maman de Flo. Même quand les gens montent dans son panel, si les gens lui les gens vont dire que quand tu es dans le palais de quelqu'un, tu parles de toi qui insulte. Si c'est ce qu'on reproche à Nicole, là je peux dire que oui, ils ont raison. Mais pas sur la mère de Nicole. Pas sur la mère de Marco. Parce que dans les panels de Nicole, de TikTok, les gens montaient souvent. Ils critiquaient Marco. Mais ils n'ont jamais insulté la mère de Nicole. Bon. La mère voilà, de si tu avais un message à passer à Nicole, qu'est-ce que tu vas dire à Nicole ce matin? Je pourrais dire à Nicole, avant que je lui donne le conseil, est-ce que vous vous êtes déjà peut-être posé une question que peut-être Nicole subit un chantage quelque part? On ne connaît pas, c'est pourquoi il dit alors que si tu avais, toi qui as tous les éléments, si tu avais un conseil à donner. Ok. Moi, je pourrais dire à Nicole que si ce n'est que de moi, elle devait le laisser. Mais si elle laisse, c'est que ça compte. Comment faut détient ses audios. Un jour, elle va toujours les mettre. Ce n'est pas mieux que ma faut mettre tout le monde passe dessus. Vraiment, bonjour, ma Dorcas. Ok, si tu as donc sur le message, tu dis alors à ma faut qu'elle mette tout et que tout le monde passe dessus, c'est ça, hein? Oui. Ok, merci, ma chérie. Ok, bye. Merci, maman. Ma soeur, tu as la parole. Oui, bonjour, Mme Dorcas. Je vais pas être longue, je suis en route. Je vais répondre à celle qui a intervenu tout à l'heure. Les gens qui sont toujours en train de tirer sur Nicole, là, comme quoi il faut qu'elle quitte les réseaux sociaux, comme quoi il faut qu'elle se calme. Nicole est sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux pour sa mère. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux pour sa mère. Sa mère s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et je comprends Nicole et sa maman. Ce sont des gens, on voit qu'ils n'ont pas eu d'amour. Ils n'ont pas eu de... Je sais pas. Tu vois, même dans ses voix, elle se plaint tout le temps. La famille, nanani, nanana. Ce sont les gens que quand tu leur prêtes un peu d'attention, tu vois, ils te prennent par amour. Ils te prennent... Ils commencent à se confier à toi. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'aide, d'avoir des coups comme ça dans la vie avant de savoir que... ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas pour autant que les gens vont prendre ça pour leur faire du chantage. Il y a beaucoup de gens qui prennent, ça ne donne pas les mbop, les kikiki, là, moi, Voilà. Et pourquoi Flo ne, en parlant même de mbop, pourquoi Flo ne conseille pas mbop? On veut dire quoi? Quand on voit mbop et on voit Flo, Nicole se cherche plus comme mbop. Moi, mbop, j'ai vu mbop, elle est la maman. Voilà. On ne peut pas dire que alors les plus calines, jusqu'on est parti, on n'insulte pas la maman. Les abeilles sont allées lui dire avant qu'elle s'est arrêtée. Elle jusqu'à dire que je voulais insulter la mère là. Vous vous en rendez compte. Je cherche les petites pisseuses. Tu t'en rends compte, ma Dorcas, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et la fille qui est intervenue tout à l'heure a dit que non, il faut que Nicole parle parce que nanani, on veut le calme sur la toile. Qui a ramené le sale sur la toile? Qui a ramené le sale sur la toile? Il faut que Flo apprenne à combattre Facebook. Comment on fait le qu'elle sale? Laisse la lâcheté. Voilà. Qu'elle laisse la lâcheté. Si Nicole te dit mouf, tu viens, tu dis mouf, imbécile, si tu es plus forte. Si elle revient, elle dit imbécile. Tu te dis que répondez à Nicole, laissez-la. Voilà. Elle est toujours en train de chercher les à côté pour déstabiliser les gens. Et c'est ce qu'on a dit non depuis. On dit non depuis. Et c'est elle-même qui a mené les histoires de paix là. Que non à ceci, parce que c'est qu'elle a détruit les gens en passant par les familles des gens. Et c'est ce que la toile camerounaise a dit non. C'est ce qu'on dit non depuis. Et c'est maintenant elle qui revient avec ça. Vous voyez comment elle est en train de ramener ça. Dès qu'on veut parler de Mahana, les gens commencent à bavarder. C'est Philo qui est en train de ramener le sale là sur la toile. Pourtant, c'est elle-même qui est venue avec les histoires de paix. C'est elle-même qui est venue, c'est qui a demandé de cesser le feu. C'est elle maintenant qui ramène le sale sur la toile. Et les gens viennent intervenir que Nicole quitte. Nicole, il faut laisser, tu te cherches. Nicole ne se cherche pas. Nicole s'est battue. Vous voyez la précarité dans laquelle Nicole a vécu au pays avec sa mère. Nicole s'est battue. C'est une lionne. Elle est arrivée. Et j'ai vu le poste de Os là-bas qui a publié que Nicole avait eu l'obligation de quitter le territoire. Ça veut dire que c'est une fille qui était dans la merde. Arrivée, elle n'a même pas eu ses papiers. Elle s'est battue jusqu'à trouver un blanc qui l'assume. Avoir un enfant qui lui a donné les papiers. Mais dans les citoyennes, on ne peut pas saluer ça. On ne peut pas saluer ça. On commence à dire non.
non, il faut qu'elle se cherche par rapport à quoi, par rapport à qui. Elle n'est pas en train de se chercher là où elle est là. Et je vais dire à Flo, quand vous regardez Anna Ngrenga, Anna, maman Anna, oui, non. Maman Anna, pardon. Mm-hmm. Quand vous regardez maman Anna, quand je regarde maman Anna, je regarde la mère de Nicole, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Non, ça veut dire que Flo n'avait jamais filmé. Non, 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 je refuse, je ne veux pas. On ne comprend pas les mamans. Non, 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 je refuse ça. Bonjour. Bonsoir, maman Dorcas. Ouais. Ok. Heureusement que ils devaient te rappeler. Les gens là devaient même t'avoir là tout à l'heure. Hein. Tu as vu comment ils t'ont étouffé, dit comment ils t'ont envoyé les choses dans ton inbox. Quand tu as ouvert, tu as vu que c'était le message. C'était la vidéo de l'autre jour, non? Ouais. Et puis tu vois aussi, ils sont d'abord venus te dire que tu as insulté la maman de Flo. Je demande, ce que moi je vais demander, c'est que nous tous, on doit savoir que la maman de tout le monde est importante. Il n'y a pas de super maman. Ma maman, c'est ma maman. Je ne peux pas prendre ta maman comme ma maman. Ah oui. Donc, il est inadmissible. Je ne peux jamais prendre ta maman comme ma maman. Il est inadmissible qu'elle se plaint. Maintenant, il t'envoie les autres vidéos. On dit comment on a montré le pied. Même si on montre le pied d'une maman qui est en Bain par rapport à une maman qui est au Cameroun et que qu'on dit qu'elle a la maladie là. Est-ce que c'est d'abord bien? Qu'est-ce qu'on raconte même? Et j'ai suivi quelqu'un te dire là-bas que il y a eu que Flo a écouté, si tu vas d'abord, je suis sûr que tu n'as pas écouté la vidéo là, la vidéo de Flo de ce jour. Elle a d'abord dit que la maman est donc, elle a bel et bien écouté le voice avant de poster. Parce qu'elle a d'abord dit, avant que la maman a parlé, il faut bien écouter. La manipulation n'est pas bien. Si elle a fauté, qu'elle vienne, ne serait-ce qu'elle venir dire même qu'elle s'excuse ou bien ceci. Pas venir, les gens venir parler les histoires dormies debout. Et, et c'est toi qui as bien compris tout le problème. J'attendais ton direct depuis hier. C'est toi qui as compris que le problème de Flo était du fait que Nicole est avec compresseur. Who does that? Pourquoi elle veut toujours... Elle est seule? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de compresseur? Mais compresseur est resté tranquille. Elle veut que cette insulte, tu ne dois pas parler de ça. Sa maman n'est pas super maman. Nous tous, nos mamans sont super pour nous. Je peux insulter ta maman, je ne peux pas insulter ma maman. C'est comme ça. Ok. Et maman. Bon, oh, maintenant, là, si tu as un message à passer à Nicole, qu'est-ce que tu vas dire à Nicole, ma chérie? Moi, si je suis à la place de Nicole, je suis d'abord le Jacques, je suis d'abord têtu. Je ne veux pas, je suppose ce qu'elle fait maintenant. Nicole, moi, je ne peux pas te prendre. Moi, c'est pas je vais reprendre. Ouais. Non, je suis en train de te dire que le fait que, par exemple, comme tu as dit, que non, Flo va tout mettre. Quand Flo met tout, on ramasse et ça, on quitte dessus. Parce que Flo, si elle garde même d'eau, ça veut dire qu'elle va encore sortir. C'est une fille très lente. Si ça avait été ta maman, souhaiterais-tu qu'on mette tout et qu'on ramasse? Oui, bel et bien, on quitte sur ça. Parce qu'on va d'abord mettre, ça va toujours sortir. Donc, c'est qui est-ce demande à Nicole de continuer son clash, c'est ça? Oui, pour qu'on sorte tout rond qui se passe. Ok, ma chérie, c'est ton avis. Merci, hein. Bonne journée à toi, alors. Merci. Ah. Oui. Ok, ma chérie, tu as la parole. Hein. Bonjour. Bonjour, Je viens de donner mon avis. Les personnes qui sont en train de mettre tout sur la tête de Flo, là. Genre, le problème de Flo, c'est qu'elle est en train de supporter elle, parce qu'elle supporte compresseur. Qu'est-ce que Flo Delisle a à faire avec Nicole? Nicole peut lui apporter quoi? Nicole peut clasher plus que Flo Delisle? Hein? Pourquoi tous ceux qui viennent parler là, qui supportent le compresseur, la compresseur a pris la femme de Messang ici là, l'a traité de tout. Tout le monde dit tout sur Meta. On refuse les vols parce que les vols sont plus compromettants que ce qu'on dit. On peut dire qu'il n'y a pas de preuves. On a dit, est-ce qu'il y a les preuves? Est-ce que quelqu'un dit que moi, personnellement, c'est passé comme ça, là, comme le vent? Quelqu'un a dit de la femme de Messang. C'est là où la femme de Messang, elle-même, en train de parler, c'est différent, maman. C'est différent. Vous tous, non, vous êtes venus mettre les voix à maman de Kéchara. C'était quoi le but? On a mis les voix, je peux pouvoir dire ce qu'on a dit dedans. Première voix que Flo a mis, elle a mis le voix là où la maman dit qu'elle n'a pas de matelas, elle dort au sol, c'est très grave. Elle n'avait pas à mettre les voix comme ça.
Je n'ai jamais mis un voice comme ça là. On est d'accord. Deuxième voice, c'est qu'elle vient mettre, elle vient parler de, du problème de maladie de la maman là. Je dis, ce n'est pas je normal. Dis, dans tout, écoutez, dans tout le voice qui a coulé jusqu'à la fin là, vous n'avez que capté ce point là. Parce maman. Que c'est ce qui est donc, très grave. La maman là, la maman là a raconté plein de choses dont elle a envie de reprocher à sa fille. Elle était même en larmes. Elle a dit comment sa fille du maman de toujours. Mais Flo n'avait pas à mettre là où la maman dit qu'elle est malade. Les mamans bavardes, maman. C'est un voice qui. Il fallait que le voice aille jusqu'à la fin. Donc, dans tout le voice, là, ce n'est que le point là qu'on vient de dire. Donc, vous croyez que si une de mes soeurs, ma soeur, même père, même vient sur Facebook commencer à me clasher, je vais gérer. Ce n'est pas ma mère. Allez, sur le voice là. Vous regardez aussi la partie qui est importante pour Ketcha. Parce que Flo a voulu mettre ce voice, pourquoi? Parce que les gens sont venus tout le temps lui dire ici là que elle reproche, elle demande à Ketcha d'arrêter de quitter derrière, qu'elle arrête maintenant, qu'elle a bien clashé Lolo, c'était bien et tout, mais que maintenant il faut qu'elle se concentre en sa vie. Maintenant qu'elle restait tout le temps, cette maman-là venait la voir tous les matins, elle ne sait même pas encore réveiller les voices bleues dans son téléphone. Tu comprends quelqu'un qu'on peut ça aussi à la même maladie depuis des années. Tu comprends ça, c'est même pas de 8 ans. Plusieurs fois. Depuis un an, c'est deux choses différentes. Donc, elle ne sait pas parler, non. Elle est partie en aparté plusieurs fois voir Nicole Ketcha pour lui donner des conseils. Nicole Ketcha n'a jamais écouté. Mais il fallait qu'elle vienne à Mondovision maintenant, faire comprendre que c'est qu'elle avait des choses. Elle est venue mettre le voice là où sa mère dit qu'elle n'a pas le matelas de au sol, c'est ça, hein? Il faut arrêter à un moment donné, c'est pas bien. Il faut arrêter. Donc, si tu as un message à passer à Flo ou à Nicole, qu'est-ce que tu vas dire? Quel est ton message de ce matin? Non, maman, mais ça, vous tous, vous avez, même hier, vous avez dit que c'est de bonne guerre que Nicole Ketcha aille de l'avant avec. Qu'elle aille de l'avant, on va voir là où ça va l'amener. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai un conseil à donner à cette petite, c'est qu'elle n'a même pas le niveau. Qu'elle se calme et qu'elle se concentre sur sa vie, comme Flo l'avait interpellé depuis des mois ici là, pour lui dire que mamie, tu as plein de choses qui t'attendent. Tu as ta famille qui sont vraiment dans la précarité, donc la précarité totale. Et qu'il faut que tu te concentres sur ta vie, trouve une formation, tu fais, Dieu t'a donné la grâce d'arriver en Europe. Concentre-toi, trouve-toi une formation. Voilà un petit enfant que tu as entre tes mains, que tu as besoin d'avoir la force pour l'éduquer. Ce n'est pas dans les classes là que tu vas pouvoir avoir la force d'amener l'enfant là quelque part. Elle merci, maman. Merci, maman. Tu as parlé, on a compris. Merci, maman. De fait, prends quelqu'un d'autre, maman. Merci. Je peux à parler toi. Oui, maman, parle. Oui. Maman, descends alors, fille. Pardon, s'il te plaît. Oh, d'accord. J'ai écouté la fille qui est passée. Avant, la dame qui parlait là, ouais. Elle a rejeté tous les torts sur Flo. Elle dit que Flo a dit que quand compresseur a sorti de sa bouche, ce n'était pas les voices, hein, quand compresseur a sorti de sa bouche pour dire que Star Messant a le sida, que les enfants de Star ne sont pas les enfants de Pa Messant, qui lui a dit quoi? Qui lui a dit maman, quoi? Maman, les dit, non, les dit, c'est les dit. On refuse ça, la regarde par exemple. On le a passé dit, la vie à chanter. Attendez, madame. À chanter que compresseur était malade. Parole, si on avait un jour eu un vol, c'est là où compresseur en train de dire que je suis malade comme ça, comme ça, comme ça, là. Ça change le coup des choses. On sait que sur Facebook, on invente. C'est plus dangereux. On invente, chacun invente et dit ce qu'il veut sur Facebook. Moi-même, quand c'était la guerre, on invente. On a inventé sur moi. Non? On dit que je suis un homme. Quand vous me regardez là, donc j'ai les mimbans. Hein? Si moi-même maintenant je fais un voice là où je sens, je dis que hey, mes gens, vous voyez comme ça, j'ai que les mimbans au fait, c'est grave. C'est que c'est grave. On invente en tout cas tout sur les gens. On colle les étiquettes aux gens sur Meta. En tout cas, alors, compresseur vas-y, était ma très chérie. Proche. Attends, maman, Madokas, compresseur était très proche de Star Messant. Donc, tout ce qu'elle peut dire sur Star Messant et son mari, les gens vont croire que c'est vrai. Parce qu'elle était fourrée là-bas. Est-ce qu'il s'appelait grand frère, petite soeur, non? Donc, même si elle dit que Stan me sera fait n'importe quoi, Jean-Louis me sera fait n'importe quoi, les gens vont croire ça. Les gens. Mais c'est différent des vols. C'est différent des vols que peut-être M. Messant peut faire. Il confirme dedans que, ouais, comme c'est vous voyez, même, ma femme, ma soeur, ma soeur. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On invente sur tout le monde, sur Meta. En tout cas, on invente. On invente. Que Nicole
que Nicole. On a dit que c'est là que Flor Delis Mougou avait le chien. On a dit que sortez les vidéos. Moi-même sur Facebook, je n'ai jamais vu. En tout cas, on a envoyé certaines vidéos, les fausses vidéos, que ce n'est pas Flo. Donc, on invente que sur Facebook. On est habitué à ça. Que, comment elle s'appelle? Que Nicole continue la guerre. Qu'elle ne se concentre pas pour chercher sa vie. Hein. Qu'elle reste dans les clashs. Elle va voir 5 ans, 10 ans, 15 ans vont passer. Elle sera dans les clashs à ne rien faire. On espère qu'on est ici. Donc, encourage de continuer. Non. C'est pour dire que quand on lui dit de laisser, il y a un camp qui elle ne veut pas comprendre. Donc, je lui demande de laisser. Mais si elle ne veut pas laisser, qu'elle continue. Voilà. C'est ça, non? Moi, je lui demande de laisser. Mais si elle ne veut pas laisser. Bon, maintenant, Amafo, tu peux dire quoi? Tu peux lui dire de laisser, non? Oui, que même si Nicole fait quoi, qu'elle laisse la maman là. Amafo aussi, je lui dis de baisser les armes. Parce qu'aujourd'hui, là, surtout les mamans, quand tu insultes quelqu'un, demain, tu te réconcilies avec la personne, tu as même honte de la regarder dans les yeux. Parce que moi, par exemple, quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, c'est difficile que je lui dise un mot très déplacé. Parce que je pense à demain. Je pense à demain. Mais il y a des gens que à la guerre, c'est à la guerre. Flo, c'est à la guerre comme à la guerre. En tout cas, ma chérie, merci pour ta brillante intervention. Merci, Emma. De rien, ma, de rien. Bon, voilà. Merci beaucoup à toi, ma chérie. Nicole, est-ce que Nicole peut renvoyer la demande? Nicole, appelle même sur mon WhatsApp. Tu as mon WhatsApp, non, maman? Maman, bon, Mathia, Ozia. Ozia, maman. Dorcas. Bonjour. Dorcas, bonjour à tous les followers de Dorcas. Je voulais donner mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Les précédentes personnes qui sont montées dans ton live sont en train de comparer le fait que Flor ait publié les voices de la maman de Compressor et le fait que Compressor ait insulté la femme de Messang. Je voudrais dire aux gens que c'est deux contextes bien différents. Déjà, la femme de Messang et Messang sont dans le blog camerounais. Ils sont des blogueurs camerounais. Et ils sont en clash avec Compressor depuis un moment. Ils sont dans les clashs. Ils sont dans les clashs. Donc, c'est de bonne guerre. Moi, je me pose la question de comment comparer les deux. La maman de Nicole n'est pas une blogueuse. La maman de Nicole n'est pas en clash avec qui que ce soit sur la toile. Donc, il n'y a même pas de comparaison à faire là-dessus. Ça c'est ma façon de voir les choses parce que les gens sont en train d'aller dans ce sens-là comme quoi Compressor a dit. Moi je me pose encore la deuxième question, c'est celle de savoir qu'est-ce que Compressor vient faire dans un clash qui oppose Flor et Nicole parce que ça je vois le nom de Compressor revient. Je me suis posé cette question. Ça c'est personne ne va te répondre. On connaît sur Facebook que Nicole, c'est la fille de Compressor. C'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, elle va toujours être rattachée à Nicole. Elle va être rattachée. OK, donnons-leur le bénéfice du doute. Maintenant, il y a la dame qui vient de passer là tout à l'heure. Elle dit que Flor serait allée dans l'inbox de Nicole et aller conseiller Nicole d'arrêter les clashs, de prendre sa vie en main, de se former. Je me pose la question de savoir, est-ce que Flor fait la même chose avec son général qui est à Douala? Parce que nous tous, nous sommes sur la toile et nous voyons comment est-ce que celle de Douala insulte, fait du sale. C'est-à-dire... Mais quand même, Flor est sortie quand même plusieurs fois demander à la fille là de ne plus cacher en son nom. Mais la fille, elle cherche la visibilité. Elle veut exister à tout prix. Donc, mais Nicole veut aussi exister. Du coup, elle fait pourquoi elle veut exister? Nicole ne doit pas exister. C'est ça. Je ne suis pas en train de faire un procès à Nicole. Mais moi, je dis que la maman est attaquée dans le guégué et vraiment qu'ils essaient de mettre la maman hors de ça. Donc, laisse-moi, je chute. Maintenant, sur la toile du deux poids, deux mesures. Les deux protagonistes, c'est-à-dire le général Nicole et celle de Douala, sont arrivées sur la toile pratiquement au même moment et elles sont en train d'utiliser les mêmes méthodes pour se faire connaître. On va dire ça comme ça, que c'est pour se faire connaître. Voilà. Donc, on ne peut pas taper l'autre et laisser l'autre qui est en train de continuer de faire du sale et
sale, parce qu'elle fait le sale, elle est bopée en train de faire le sale. Elle fait vraiment le sale, on ne va pas, mâcher les mots, elle fait vraiment du sale. Donc, soit on brime les deux, soit on tape les deux, parce que toutes sont des petites sœurs, on les tape toutes les deux, soit on les laisse toutes les deux. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Maintenant, je vais chuter, je vais dire à Nicole que, Nicole, comme Dorcas a dit hier, il y a des guerres, qu'on ne fait pas. Les gens vont te dire que oh, tu es la nouvelle génération de blogueurs et de blogueuses et tout, c'est bien beau. Mais en ce moment, il s'agit de ta mère. C'est l'image de ta mère qui est, entachée. C'est vrai que nous sommes sur la toile, maintenant on s'en fout, machin. Moi, par exemple, je suis arrivée sur la toile. La première des choses que j'ai faites sur la toile, c'est de bloquer tous les membres de ma famille. Je les ai tous bloqués. Pour que personne ne voit sur les réseaux sociaux. Pour que personne, c'est-à-dire, je suis une place sur les réseaux sociaux. Ma mère me demande que j'apprends que tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook. Tu es de quel côté même de Facebook? Je lui ai dit que je ne te dirai jamais de quel côté je suis. Pourquoi? Pour te protéger. Je ne veux même pas. Toutes les photos que j'avais de ma famille et tout, j'avais tout effacé sur mes différentes pages. Si vous entrez sur mes pages, vous n'allez voir aucun membre de ma famille là-bas. Parce que maman, sans te couper, ma chérie, c'est l'erreur que Nicole avait fait. Nicole avait une page là où elle avait mis les photos de sa grand-mère, les photos. Donc, quand la guerre a commencé, on est parti prendre les photos là, dans sa propre page. Voilà. Que là où elle, c'est Nicole Tchap-tchap. On est parti prendre ça que là-bas. Elle avait oublié. Donc, et c'est la même chose avec mon général. Toutes les photos que vous avez vues de mon général circuler, on est parti prendre que dans sa page. Parce que, tu as compris. Il y a quelques temps aussi, il y a une personne qui a publié une de mes photos. Elle est allée chercher la photo. Je ne sais même pas là où elle a trouvé une de mes photos. Loin, dans les années 2000. Je ne sais pas là où elle allait chercher la photo là. Parce que quand on arrive sur les réseaux sociaux, on fait le blog comme nous sommes en train de faire le blog là. Il faut sécuriser les différents membres de nos familles. Il faut les mettre en sécurité, surtout sur le côté de Meta. Surtout sur le côté de Meta, où nous sommes sans loi, c'est-à-dire nous sommes sans scrupules. Nous sommes sans scrupules, on a vendu nos âmes au diable, on fait du mal. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois protéger ta famille, tu dois protéger tes enfants, tu dois protéger ta mère, tu dois protéger ton mari. Donc, Nicole, s'il te plaît, ma petite soeur, je ne te donne pas les ordres, tu fais comme tu veux, je te donne un petit conseil. Si tu veux, tu prends ce que tu peux prendre, tu prends ce que tu ne veux pas prendre, tu jettes à la poubelle. Laisse ces gens, fais ton blog. Si tu as ta cible, parce qu'on a tous des cibles sur la toile, tu as ta cible, concentre-toi sur ta cible, laisse Flore et ses gens, s'il te plaît. Parce que comme Dorcas a dit hier, elle ne va pas s'arrêter. Parce que dans une certaine mesure, c'est son mode opératoire. Parlons, ne caressons pas les gens. Parce que, bon, si elle a les voix, elle va continuer de mettre les voix. Mais toi, laisse-la. Maintenant, je finis avec la maman de Nicole. La mère de Nicole, si tu es sur les réseaux sociaux, tu nous entends, ma chérie. Protège ta fille. Arrête d'aller. Parce que même la maman aussi n'aide pas, hein. La maman n'aide pas Nicole. Ces gens-là que tu vas te confier à eux, ils ne seront jamais tes enfants. Ton enfant, c'est Nicole. Que ce soit Flore, que ce soit tous ceux à qui tu parles souvent à Nicole, ils ont leur maman à eux. Et ils protègent leur maman à eux. Arrête de partir, même si tu as faim. Et je sais déjà à qui dire que ta fille est à Nicole. Cela ne peut pas dire qu'elle ramasse l'argent dans la rue. Ici, en Europe, on ne ramasse pas l'argent dans la rue. On travaille dur. Et ce n'est pas parce que ta fille a épousé un blanc, entre guillemets, que forcément il y a l'arbre d'argent dans la maison de ta fille. Les blancs, quand on les connaît, pour qu'un blanc te donne l'argent, même si tu es sa femme, il faut parler beaucoup. Parce qu'ils ne sortent pas leur assis, ils sortent comment. Donc, pour les mamans qui sont en Afrique aussi là-bas, arrêtez de harceler vos enfants qui sont en Europe. Parce que l'argent ne se ramasse pas. On se lève le matin dans le froid, sous la pluie, avec les bottes, les chapeaux, nous voici en plein mois de juin. On est comme ça. Que les mamans comprennent ça.
On est au mois d'octobre. Nous voici avec les écharpes, avec les bonnets. Nous sommes dehors. Quand on vous envoie 10 000, ne simplifiez pas. Quand on vous envoie 15 000, ne simplifiez pas. Même quand on ne vous envoie pas, prévoyez toujours pour nous parce que ce n'est pas facile ici là, en Europe. Il ne faut pas prendre le pied de ta fille. Tu dis que ma fille est mariée en blanc. Ma fille est mariée en blanc. Je dois voir, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ce n'est pas évident. Donc, merci. Merci pour m'avoir accepté dans ton live. Et, si tu peux donner un message à Flore, quel est le message que je peux donner à Flore ce matin? Message à Flore que je peux... Le message que je peux donner à Flore, c'est que Flore, laisse tomber. Laisse tomber, ma chérie. Laisse tomber, ma grande. Peut-être que Flore, comment on appelle, peut-être que Nicole a dit un mot de travers. Mais rappelle-toi qu'à un moment donné, elle a porté les moments, les bons moments. Elle a donné sa poitrine. Elle a donné ta poitrine pour toi. Elle t'a défendu, bec et ongle. Nous étions tous sur la toile. Nous avons vu comment cette petite fille s'est donnée pour vous ici. On l'a vu. Donc, ne serait-ce que pour ces bons moments que vous avez passé même au téléphone à faire le Congo, ça des X, des Y, des Z et tout, laisse tomber. Ça n'en vaut pas la peine. Elle a peut-être commis une erreur, je ne sais pas, mais quand tu es une grande personne et quand tu es un leader, le leader aussi fait table rase sur certaines choses. Un leader aussi sait faire va-wang sur certaines choses. Un leader ne s'accroche pas sur tout et n'importe qui. C'est ce que je voulais passer comme message. Merci. Les différents protagonistes, merci. Vous prenez ce que vous pouvez prendre, le reste vous jetez à la poubelle. Belle journée à toi là-bas, donc je claque les bisous depuis ta position. Merci ma chérie, à toi également. Je te souhaite une très bonne journée. Merci. Merci bien. Donc, bonjour ma belle. Bonjour, ça va maman Dorcas? Ça va, ma chérie. Si je t'appelle maman, c'est par respect. Tu ne peux pas m'accoucher. C'est le nom qu'on m'a donné sur Facebook, non? Est-ce que c'est le nom que maman, les gens m'ont déjà donné? C'est Réakale. Jamais, aucun, jamais dans les directs. Mais là, je suis obligée de t'intervenir. Pourquoi? Parce que je suis une maman et j'ai une maman. Oui. Tu m'entends? Oui, maman. C'est bien beaucoup. Tout le monde vient dire que Nicole va laisser, Flore va laisser. Tu sais, nous sommes tous dans des pays où on a besoin des preuves. Depuis que je suis en Europe, je suis tous les jours l'émission, les faits entrer la cuisine. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de preuves. Nicole nie ne pas avoir insulté la maman de Flore. Oui, elle a même depuis hier dit ça. Voilà. Elle a même dit que quand on sort les preuves. A partagé cette vidéo, qu'on nous montre les preuves. Une, la vidéo où Nicole a insulté la maman de Flore. Deux, où Compressor a partagé. Je ne suis ni pour Compressor ni pour Flore. Ça, ce n'est même pas d'abord mon profil. Ça, c'est le profil de ma niece. Parce que je ne pouvais pas m'afficher avec mon vrai profil. Je ne suis ni pour l'une ni pour l'autre. Maintenant, on va donner les conseils à Nicole et à Flore et à Compressor. Tu m'entends bien? Oui, maman. La preuve, la vidéo où Nicole a insulté la maman de Flore et Perpétue a partagé. Qu'on nous montre cette vidéo. Pourquoi les gens veulent débroussailler en l'air anglais? Il faut percer l'abcès. Pour te dire la vérité, Nicole n'est jamais la cible de Flore. C'est une astuce que Flore prend pour attaquer sa copine, son ex-copine. Nicole n'est pas la cible de Flore. La cible de Flore, c'est Perpétue. Il y a une dame qui est intervenue, qui a dit que, mais d'où sort Compressor alors dans les psy Flore clash Nicole? D'où sort Compressor là-dedans? Flore, c'est une manipulatrice. Elle cherchait comment entrer, aller provoquer, attaquer Compressor.
Mais il fallait qu'elle aille direct au but que d'exposer la maman de Flore, de pardon, de Nicole. Tout enfant, même si ta maman est folle, il y a un proverbe chez moi, à l'Est, je suis de l'Est du Cameroun, qui dit ouais. qu'aucun enfant ne peut refuser le sein de sa maman, même s'il y a la gale là-dessus. Même si la maman de Nicole est comment, même si elle est comment, elle ne mérite pas ça. Pourquoi elle, selon elle, Nicole a insulté sa maman, elle est en colère, elle est sauvagement en rage. Donc, c'est la maman de Nicole qu'on doit insulter. C'est la maman de Nicole qu'on doit insulter. La maman de Nicole ne fait pas mal à Nicole. Mais il faut que Flore fasse très attention. Il faut que Flore fasse très attention. Je ne connais pas parti prise parce que les trois sont fautifs. Voilà. Je suis désolée. Sa maman n'est pas en or. La maman de Flore n'est pas en or. Tout le temps, on insulte ma maman. Tout le temps. C'est qui? Ça peut faire plaisir à qui qu'on insulte sa maman. J'ai écouté un voice que Nicole a mise là que, où elle demandait la dépouille de ta maman. Si elle s'est retrouvée en possession de la dépouille de ta maman, elle n'allait pas te faire de cadeau. Hein. On l'avait donné, elle a mis ça sur Facebook. Voilà. Peut-être qu'elle n'avait pas vu. Elle avait mis sur Facebook. Voilà. Donc, la maman de Flore n'est pas en or. Et les mamans des autres ne sont pas en or. Il faut que les gens qui soutiennent Flore fassent comprendre à Flore qu'elle arrête son cinéma. Ce qu'elle a fait hier, Flore s'est ridiculisée. Elle s'est ridiculisée devant tout le monde. Elle s'est ridiculisée. Qu'elle nous amène les preuves où Nicole a insulté sa maman et perpétue à partager cette vidéo. Qu'elle amène cette preuve-là. Nous sommes dans des pays où il faut des preuves. On ne condamne pas les gens ici s'il n'y a pas de preuves. Qu'elle nous amène les preuves. Qu'elle nous amène les preuves. Moi, je suis les fait entrer l'accusé tout le temps. Et maintenant, excuse-moi, maman Dorcas, on a posé la question à Nicole hier dans une vidéo. Je ne sais pas qui lui posait la question, j'ai oublié. La dame qui avait intervenu chez toi, maman Dorcas, est-ce que c'est elle la maman de Dorcas ou bien les voix qui sont chez Flore, c'est la vraie maman de Dorcas? Parce que quand Nicole a répondu à cette question, elle a dit, la femme qui a intervenu chez toi n'est jamais sa maman. La femme qui a envoyé les voix à Flore, c'est sa vraie maman. Il faut que Nicole même arrête aussi son cinéma. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête son cinéma. Qu'elle n'entre pas dans le jeu de Flore. Il ne faut pas qu'elle entre dans ce jeu. Hmm? La vieille femme là, je ne sais pas. Nicole peut avoir l'âge de ma première fille, de mon premier fils, je suis d'accord. Merci. Mais... Maman va donner la parole aussi à une autre personne. Merci d'être. Merci beaucoup. Bonjour, Dorcas. Bonjour, ma chérie. Moi, je ne prends pas le parti des deux personnes là. Oui. La seule chose que je vais dire, chacun a son destin. Vous allez bien regarder ce qui se passe. Peut-être que entre Flore de Lille et Nicole, ouais. La fin de quelqu'un, parmi les deux, la fin de quelqu'une est arrivée. Parce qu'en ce moment, personne ne pourrait arrêter Nicole. Au stade où Nicole se trouve, la personne ne peut l'arrêter. Pourquoi? Quel est King Kong? Elle ne va pas. Parce que là où elle est très chaude, d'abord, elle a un sang qui est très fort. Et Flore de Lille aussi a un sang qui est très fort. Donc, laissez Nicole suivre son destin. Si c'est Nicole qui est là pour descendre, pour finir Flore de Lille, laissez Nicole finir Flore de Lille. Si c'est Flore de Lille qui va faire en sorte donc, toi, tu veux la guerre, alors. Non. Vous n'allez pas les arrêter. C'est un destin. C'est spirituel. Vous n'allez plus. Personne ne peut les arrêter. Tu es pasteur, mamie? Oui, je suis pasteur. Ah, donc Dieu t'a parlé. Oui, personne ne peut les arrêter. Personne ne peut les arrêter. Je dis qu'on a fini avec ça. Ya, yeah, maman. C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous parlez. Ya. Yeah. Il faut les laisser. Non. Depuis combien de temps tu donnes à Nicole de laisser? Nicole t'a insulté ici, fatiguée. Tu as demandé à Nicole de laisser. Elle ne veut pas laisser. Laissez-la continuer. Chacun a son cœur. Laissez-la continuer. Que le destin qui fait en sorte qu'elle soit ainsi. Laissez-la. Ah, maman passe. Comme tu as dit que c'est Dieu qui a parlé, on va sauf que les hommes encore fait comment? Si Dieu a parlé, nous.
Parmi les il va partir. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a une qui va gagner. Le dernier mot, non, mais j'en suis déjà à parler. Le dernier mot est que laissez-les continuer. Ah, que Dieu a dit que mieux la graisse. Il y a une qui va descendre. Voilà le message. Voilà, que Dieu a dit que mieux la graisse. Le destin est là. Laissez-les continuer. Suivez leur destin. Vous êtes qui pour les empêcher de suivre leur destin? Le destin, le négatif. Ok, maman, merci, oh, ma chérie. Merci beaucoup, maman. Descends alors, maman, je vais te descendre comment? Tu ne connais pas comment descendre. Tu es en haut. Quand tu es en haut, c'est difficile pour moi de descendre quelqu'un. Mais non, je suis pas en haut. Ouais. Tu ne... oh, c'est bon. Bonsoir, maman. C'est comment, non? Ça va bien, maman. Vraiment, c'est bien. Ce que tu as dit, c'est bien. L'homme, mais ça t'attend un peu, maman. Nicole n'écoute pas. Et moi, je pense que les deux doivent arrêter. Mais parce que Flo ne sortira plus jamais sur Nicole. Pour l'instant, Flo ne sortira plus. Nicole, si tu écoutes, pour l'instant, Flo ne peut pas sortir parce qu'elle va résister. Oui, une minute, non, mais une minute. Il y a les gens au téléphone qui parlent. Une minute. Oui, maman, vas-y, je t'écoute. Flo ne sortira pas sur Nicole. Nicole va se fatiguer. Non, pas sur parole, maman, donc. Oui, parle, maman. Parle pour celle que dans le live, parle. Nicole, vraiment, c'est ta famille, c'est ta mère. Même si les gens t'encouragent, même si tu penses que tu es King Kong. Oui, maman. Maman, tu viens un jour, non? Même si tu es King Kong, dans la vie, parfois, on accepte de perdre pour certaines raisons. Pas parce que tu es trop forte, parce que ton adversaire est trop forte. Non, Nicole. Nicole, préserve ta famille, parce que toute ta famille, jusqu'à ton père, ta grand-mère, ils vont se retrouver sur Facebook. Fleur ne va pas te le faire ça tout de suite encore. Comme elle est sortie sur toi hier ou avant-hier, là, elle va te laisser t'essouffler. Ok, maman. Elle va te laisser te fatiguer. Un autre problème, après 6 mois, elle va te lancer ça, parce qu'elle va garder tout ce que tu as en train de sortir sur sa mère. Elle ne va pas te laisser. C'est ça. Pas que les gens t'encouragent. Pas de la hauteur, tu laisses la main là. Si elle a sorti pour ta main, tu laisses la main. Parce que toi, Nicole, okay. Tu ne supportes pas Flo. Tu m'as bloqué parce que tu avais dit de laisser. Tu m'as bloqué. Si je reviens avec notre profit, tu as rebloqué. Dans la vie, on ne fait pas le king of tout. Laisse. Ma Nicole, je voulais dire quelque chose. Hein. Vous parlez que le voice de la mère de Nicole. Vous êtes sûr que c'est la mère de Nicole qui parlait dans le voice là? Vous êtes sûr? C'est la mère de Nicole. C'est la mère. Non, ma chérie, c'est pas les que parce que les gens, s'attendent trop à ça. Moi, okay. Nicole dit que c'est pas ma mère. Qu'est-ce qui prouve que c'est ma mère? Parce que les gens disent que quelqu'un qui sort de sa bouche n'est pas ce que c'est. Attends, c'est la même voix, c'est sa mère que les gens disent pas que Nicole va porter. Nicole, dans ton sucre conscient, allô? Tu sais que tu as insulté les gens, même en dehors de la maman, là, même dans le dehors du flot, vous avez fait du sale. Tu sais toi-même que tu as insulté, tu as fait du sale et que tu as attaqué les mamans et les enfants sur Facebook. Moi, personnellement, je ne supporte pas Flo, Nicole. Moi, je suis venue dans ton pays plusieurs fois te dire de quitter derrière les problèmes-ci. Tu ne peux pas arriver en Europe. Sachant que tu sors d'une famille pauvre, tu es la tête d'une famille. Tu peux entrer dans le groupe des mamans là. Tu peux faire ton truc. Tu es entré sur Lolo. Après, tu pouvais laisser. Tu avais déjà des vues. Tu avais déjà de la notoriété. Tu pouvais prendre autre chose et faire t'accrocher dessus et avancer dans. C'est très bien. Très bien parlé. Ils n'ont plus rien à gagner. Rien à perdre sur Facebook. Vraiment. Parce que ce que Flo fait, là, elle a fait un direct un jour. Elle a dit que ce qu'elle est en train de faire, là, elle accompagne sa maman dans ce dernier moment. Ça, c'est vrai. Et Flo ne peut pas permettre. Même ce que tu fais là, tu que ça, elle pouvait laisser. Mais c'est. Simplement parce que moi, ce que j'ai dit, maman Dorcas, je n'enregistre pas les gens. Moi, je suis montée sur TikTok. J'ai dit j'ai dit que Nicole, ce que tu fais, les gens montent insultés là. Parce que TikTok, ça part. Tu fais sur TikTok, ça passe. Et Nicole fait des vidéos, elle les poste, elle les fasse à tout moment. Oui, oui, maman Dorcas. Je vous jure, oui, maman Dorcas. Moi-même, j'aime bien Nicole. Nicole de ta génération, c'est pas bien ça. Là, à la fin de la journée, Nicole, tu es face à ton destin, tous ceux qui sont derrière toi là. Demain, même si on te dit de porter plainte, ça ne va aller nulle part. Parce que tu as fait du ça sur les mamans des gens.
Jade Owen, je vais te poser une question. Donc, attends. Tu approuves le fait que les voix que Flo a postées, tu approuves ça. Tu peux dire que Flo a bien. Non, ce n'est pas non. Bien, mais c'est déjà là, tu vois. Ce n'est pas bien. Et Flo, je pense que Flo, si elle est sortie, parce qu'elle a fait 3 sorties ce jour, la dernière sortie, je pense qu'elle a voulu réparer ça en disant que ça peut être les montants et genre que le sabotage les escroquerie. Parce que je pense que... Très bien. Quand tu veux réparer quelque chose, tu le repars pour de vrai. Arrêtez d'encourager à un moment. Vous avez non, on n'encourage pas, ma chérie. On n'encourage pas. Non, allons dans les... On n'encourage pas. Non, non, le fait est déjà fait. Non, on n'encourage pas. Tu ne peux pas qu'on mène le feu. Parler. Moi aussi, je veux parler. Vous savez comment le sida est une honte en Afrique. Disons-nous les vérités. C'est un tabou. C'est un tabou encore en Afrique. C'est un tabou. Non, mais... Flo, en mettant les voix, je suis persuadée qu'elle ne les a pas écoutées avant de déposer. Elle les a écoutés. Comment Lolo a fait pour savoir que la maman là est malade avant que Flo le sorte? Arrêtez de trouver des donc c'est Flo qui a envoyé le vol à Lolo. Donc vous revenez encore ce que Nicole avait dit. Donc c'est Flo qui a envoyé le vol à Lolo. Ça peut ne pas être Flo. La maman là a logé où on connaît. Alors, pourquoi la fille a dit alors que comment Lolo a su? Comment tu dis ça? C'est faux. Non, ça peut ne pas être que c'est Flo, parce que la maman la bavarde, là où elle a logé. Alors, pourquoi cette fille a dit que comment Lolo a su? Bon, elle a dit une fois dans un voice que Flo a envoyé le vol de sa mère à Lolo. Madame, arrêtez la manipulation. Vous vous manipulez les gens. Non, ce n'est pas question de manipulation. Non, là, on n'avait pas parlé. Lolo peut être au courant sans que Flo le connaît. Flo, je suis d'accord. Parce que Flo. Maman Dorcas, Flo n'a pas fait d'accord, la paix avec Lolo. Attends un peu. Jade, attends un peu. Un jour, Flo a dit ceci. Qu'elle a dit à lui que sa mère arrête d'envoyer les vols dans son téléphone. Elle a demandé à Nicole. Elle a même appelé mes parents. Que c'est moi. Chaque fois, la mère m'envoie les vols. J'ai de la peine pour Nicole. Parce que non, il faut qu'on laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Non, laisse ça tomber. Non, ne mangeons pas. Moi, tu ne peux pas faire ça à ma mère. Moi, je vois même que Nicole est en train de... Parce qu'elle vous écoute trop. Tu ne peux pas faire ça à ma mère. Maman, tu ne peux pas rien faire dans les personnes déjà là. Parce que c'est déjà une saleté. Flo n'a plus rien à faire. Ce que tu dis là... Et dans TikTok, quand Nicole a appuyé le pied de la mère de Nicole a quoi à faire? Tu étais où? Nicole, tu étais où dans TikTok? Tu étais où dans TikTok quand Nicole a appuyé le pied de la mère? J'ai suivi celle-là dans TikTok, madame. C'est parce que moi, je n'enregistre pas. Vraiment, comment on parle là? Moi, je ne suis pas des trucs, des YouTube là. J'ai suivi jusqu'à dire, elle a encore ressorti dans Facebook, dit que si Flo s'amuse, elle va publier son gars. Qu'est-ce que vous parlez? Flo l'avait fait quoi? Mais le gars, Flo l'avait fait quoi? Pardon. Moi, j'ai dit... laissez ça. Laissez ça tomber. Nicole, si tu suis vraiment tes gens, laisse tomber. Nicole, tu avais dit que tu n'aimes pas vraiment ta mère. Je te dis la vérité. Elle va dire quoi de nouveau sur Flo qu'on n'a jamais écouté. Vous parlez même de quoi? Par rapport à la mère de Nicole, la pauvre maman de Nicole, vraiment, elle y a. Jusqu'à dire que tu aimes ça. Et si vous aimez, moi, si je mets ma mère, je vais tranquille. Je vais rester tranquille. Nicole, quand elle ne dit pas qu'elle a les vols, le sida, c'est quoi? Le sida, c'est quoi? C'est un vol. C'est rien qu'un vol. Avec ce que toi-même, tu as parlé dans la bouche. Tu dis à quelqu'un qui a le sida et on suit un vol. Le vol peut être fabriqué, ma chérie. Le vol peut être fabriqué avec quelqu'un qui vient parler avec sa bouche. Quelle personne a le sida? Vous devez manger sur une même table. La mère de Nicole connaît Flo où? La mère de Nicole connaît Flo où? Jusqu'à venir parler, c'est elle. Venir parler.
Même la mère, là aussi, vraiment, elle allait loin. La mère, elle est loin. Elle connaît Fleur. Si vous voulez, dans 16 jours, elle parlait aux gens. Elle connaît Fleur où vous venez parler de sa vie. Elle-même. Condamnons d'abord la mère de Nicole. Condamnons d'abord la mère de Nicole. Donc, quelle est demain l'argent? Elle travaille. Son avis, pas d'insulte. Oui, pas d'insulte, c'est vrai. C'est bien ça, donc. Pas d'insulte. Pas d'insulte. Que une finisse de parler, que chacun donne son avis. Non, pardon, pas les gens. Parce que là, c'est la cause, c'est moi qu'on va récupérer après. Pardon, parce que moi qui ai lancé le live. Pardon. Madiokas, moi je parle de tout le monde. Tout ce qu'on parle là-bas, moi j'écoute. Non, je ne veux pas parler de tout le monde. Papa, en fait, quand l'insulte, vos patrons, ça vous fait mal. Si l'insulte, les patrons, à des autres, ça fait mal. Les autres vont parler. Jeanne, tu as fini. Maman, non, j'ai fini. Chut alors, Jeanne. Je vais finir. Nikon, tout ce que tu vas sortir maintenant, avec déjà les problèmes moi, je conseillerais à Nikon, Nikon, si tu m'écoutes, on ne te dit pas de laisser Facebook. Quand il y a un problème comme ça, tu prends du recul. Voilà. Tu prends un peu du recul. Tu viens d'écouter. Même pour ta propre santé. C'est déjà de finir, pardon. Même pour ta propre santé, tu recules. Tu ne sors pas sur Facebook, mais tu peux prendre du recul. Tu souffles un peu avant de revenir, de réfléchir. Parce que quand tu prends du recul, tu réfléchis mieux. Ce que tu vas sortir maintenant, la gueule est motivée derrière toi. Dans une semaine, là, ça va te fatiguer. Parce que tout ce que tu vas dire sur Flore, depuis 15 ans, 20 ans, on le dit. Mais c'est ta famille qui sera entachée. Parce que pour toi, ce sera nouveau. Que l'on ne t'encourage pas, ma chère soeur. Parfois, on simplifie les choses. Pas parce qu'on est trop forte ou bien parce qu'on a trop peur déjà. Simplifie. Flore. Mets de l'eau dans ton verre, tu laisses Nicole parler. Vraiment, des deux côtés, que Flore laisse. Nicole, s'il te plaît, laisse. Accepte même la défaite là, tu laisses. Non, que les gens qui t'encouragent, que Nicole insulte, parce qu'ils vont t'encourager. Au clos, c'est une semaine. Mathé. Ça va passer. Oui, maman. Maman, laisse. Jeanne, merci. Bye bye. Merci, Jeanne. Descends, maman. Elle est descendue, Mathé. Attends, il y a d'autres. Attends, Mathé, une minute. Il y a une autre qui parle là. Qu'est-ce que tu viens de parler? Tu vois, il y a deux personnes à le panel. Une minute, maman. Vas-y, maman. Bon, Dorcas, moi je vais parler. Moi je disais ceci. Quand vous dites à Nicole de rester tranquille, aucun voice que la mère de tes flancs va mettre ne pourra pas dépasser le sida en Afrique. Vous comprenez? Non. Ouais. Là, à présent, ouais. Même s'il y a encore d'autres voix que la mère de Nicolas, que Nicolas a insulté, Nicolas a traîné dans la boue, elle avait souffert, qu'elle avait accouché, Nicolas a fait 100 ans sans manger, ça ne peut pas dépasser le statut sérologique en Afrique. Si Nicolas, ah, oui. Où elle est là, quel que soit, oh, je vous jure qu'aucun voix que Flore détient ne peut dépasser celui qu'elle a mis. Donc, ah, là où Nicole est là, si Nicole a la colère, qu'elle se décharge. Parce que vous allez dire que laisse Flore a des choses sur toi, ça sera du chantage. L'année prochaine, elle va encore mettre Nicole. Si tu es fâchée, fais ce que tu as fait. Tu le fais un mois, deux mois, après tu passes à autre chose. Que personne ne te fasse du chantage. Flore a signé ta main à jamais. On n'a jamais vu ce qui s'est passé là. Merci, sur la ma toile. Chérie. Même si la une batterie maman est en train de finir. Ok, ma. Oui. Merci, ma. Merci, Francine. Merci beaucoup. Ouais. Ah, oh, ma chérie, toi, parle alors, maman. La batterie est en train de partir. Parle, maman. Ah, maman. Ah. Celle qui est dans le lap, Mathé, parle alors, elle ne veut pas parler. Parle, Mathé. Non, bonjour, maman. Je ne savais pas que tu devais faire un live ce matin. Et tout. Donc, je viens de me réveiller et je tombe sur ton live et tout. Moi, j'écoutais, hein, donc moi, je suis entrée parce que c'est l'intervention de cette Jeanne Owen Latine qui ne m'a pas plu. Parce que elle dit que chaque fois qu'il y a un problème, quand sa patronne a fait quelque chose, elle vient toujours dire que oh, les autres doivent laisser, les autres doivent réfléchir à de sortir. Mais pourquoi elle ne pose pas, elle ne dit pas les mêmes choses à sa patronne de réfléchir par deux ou trois fois aussi avant de faire ses sorties ou quoi que ce soit. Ce que Flore de Lille a fait est intolérable. Et Nicole ne doit pas rester parce que même hier, maman, tu as voulu épouser l'idée que non, il faut qu'elle se calme. Donc, comment elle est ouais. Là ça, on a fait un an dans son téléphone. Donc, elle va tenir Nicole Ketcha au chantage toute sa vie avec ses vols-là. Donc, Nicole n'a même pas encore fait. Parce que c'était moi qui ai coupé les veines de quelqu'un. Donc, Nicole fasse ce qu'elle doit faire.
Il n'y a pas qu'elle doit réfléchir ou bien qu'elle doit faire quoi que ce soit. Nico doit monter sur elle comme le train. Parce qu'elle n'a jamais réfléchi. Quand elle est venue, c'est affiché la nullité de l'état d'Aline. Elle n'a pas réfléchi. Quand elle est venue ici montrer le Donc tu veux que Flo de l'école mette le reste des voix de sa C'est quand lui verse sur les légumes, on tourne les légumes avec. Il n'y a plus, elle ne peut pas tenir une petite fille comme ça, comme Nicole Ketcha. Je ne dis pas que j'apprécie Nicole à tous ses actes et faits. Non. Mais elle ne peut pas tenir Nicole avec ce chantage de voix qu'elle a dans son téléphone. Ok? Ce n'est pas Nicole qui l'a laissé les voix, c'est la mère de Nicole. Donc la mère de Nicole n'est pas une blogueuse. Et qu'elle arrête de tenir les gens au chantage. C'est comme ça qu'elle est venue ici, là, sortir, montrer à mon vision la nudité de Tata Aline. La nudité de sa Yamsou. Il y a 4000 personnes. J'avais couvert mon visage. Zoé était encore un enfant dans mes mains. J'ai failli laisser Zoé tomber le jour. Un samedi après-midi, je n'oublierai jamais ce jour-là. Elle est venue, 4000 personnes, étant donné dans l'été de nous comme ça. Elle nous a montré le sexe de Lolo comme ça. Il y avait, on était 4000 personnes à regarder. Mais une fille, elle est hantée par l'esprit du mal. Donc, ce que vous dites là, allez lui dire ça. Quand il faut ça, quand il faut poser, ça dès qu'elle réfléchit pas deux ou trois fois. Nico ne doit pas laisser. Nicole ne doit pas laisser. Cette fille-là, il faut qu'elle arrête son chantage vis-à-vis des gens. Voici Linda. Linda qui est partie faire le poste. Elle dit que Madoka, Nicole a insulté ma grand-mère Anna. Si tu tords, tu veux que je te sorte les preuves. Je ne suis pas ta secrétaire. Maman, c'est toi qui es mamie n'a coupé, non. On doit seulement te dire de sortir les preuves. Même si elle a fait, ça ne veut pas dire que c'est que l'autre a fait. Tu n'as pas de preuves, dis que tu n'as pas de preuves. Tu n'es pas ma secrétaire, mais tu es quand même venu m'envoyer une fausse vidéo pour la manipulation. Quand j'ai dénoncé, tu vois maintenant que ça n'a pas marché. Tu cours, tu n'as pas écrit que tu n'es pas ma secrétaire. Et la vidéo que tu es venu m'envoyer, c'était pourquoi? Parce que tu voulais manipuler. J'ai vu, en ramassant le caillou, l'oiseau a vu. Mamie, elle détruit tout son passage, rien pour elle, rien pour les autres, tout pour elle. Elle a détruit la vie des gens. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas en parler à la télévision somnambule l'autre jour. Elle ne peut pas parler d'elle, elle ne peut pas. Elle a honte même de regarder ces gens. Elle croit que ça sera passé comme ça. Elle a détruit, même les Patricia Gemel, elle les a détruits d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, Pierre, elle a incité la maman de Nicole et Linda Poste dit bravo, bravo, bravo la lionne. Elle a le niveau de haine des gens, la haine. Là, je suis là. Et je dis que, maman, il n'y a pas, tu ne dois pas, je dis que ce que je t'ai dit hier, que tu ne dois pas vouloir aménager ton langage quand tu parles à cette fois. Tu lui dis ce qu'elle a fait est rond. Tout rond dans un mec qui est ouais. Mais viens pas la chercher les mots qui vont. Non, tu dois lui taper ce qu'elle a fait est inacceptable. Tu dois lui dire ça. Tu veux qu'elle fasse, alors il y a un dîner, maman, tu veux qu'elle fasse comment que je l'insulte ce moment-là. Non, je n'ai pas les bois. Non, moi, je n'ai pas les bois. Non, on ne range pas les bois avec une femme comme celle-là. Mais que ce qu'elle a fait est rond. On ne fait pas ça. J'en parle encore hier à ma mère. Ma mère m'a dit que vraiment, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ok? Il n'y a pas de bois à arranger par rapport à l'acte qu'elle a posé. Et Nico, que tu as fait ça sans une goutte d'eau. Comme moi. Elle doit taper sec. Elle va taper sec, mais c'est sa famille qui va être traînée dans la boue. Hein. Non, mais elle a déjà été traînée sans qu'elle ait tapé sec. Ok, elle a déjà été traînée sans taper sec. Mais maintenant qu'elle tape sec. Et nous sommes dans le groupe qui va saboter son événement. Et je voudrais dire un grand big up ici au profil paisible africain. Maman, quand je te sens parler, je sens mon matin. Ok, je sais vous. J'ai choqué vos esprits, maman. Elle dit qu'elles vont lire avec les nouveaux esprits comme nous, je fais donc. Maman, tu dis que la mère il y a d'autres gens. Et si là, c'est chez moi, c'est quand je finis que d'autres parlent. Et si là, c'est chez nous, c'est quand on finit que d'autres parlent. Puis comme à toi là-bas, paisible l'Africaine. Laisse-moi mon esprit à toi, ma soeur. Et ne te cache plus jamais. Dès que tu vois seulement que la lumière rouge là, maman, t'es là, maman, viens t'asseoir parce que toi et moi, nous sommes comme que nous sommes des jumelles, maman. Je dis que tu es là, tu es là, jusqu'à paisible l'Africaine. Puis comme à toi là-bas, ma belle. Big up à toi. Et dis que va dans mon email, t'envoie mon WhatsApp. Même quand tu ne peux pas entrer comme la dernière fois, tu m'appelles que sur le WhatsApp. Tu vas pas parler.
esprits comme toi. Je vous ai choqué l'esprit. Maman, elle va regarder par la fenêtre avant de venir poser la narine là-dedans pour parler, pour nous parler. Elle va regarder par la fenêtre d'abord. Maté, tu me dis que tu vas arranger ce problème que tu connais arrangé. Tu me dis que ça, c'est que la paix est rond. Il n'y a pas d'aménagement à faire au port. Tu me dis que ça, c'est qui? Voilà. Mathieu, on peut parler ensemble. Maman n'a déjà rien fait. Ok, Mathieu, on a compris. Tout à l'heure, qu'elle joue au boulot. Ok, maman. Bisous. D'accord, bisous à toi. Oui, madame. Oui, bonjour. Moi, j'aime bien. Comment tu décryptes les voices? Et merci aussi pour les lives. Et merci aussi pour ce live. Vraiment, comme disait Maïté, je ne vais même plus trop ajouter. C'est vraiment horrible ce que Flore a fait. Vraiment. Parce que... Elle est loin quand même. On a des mamans. On a des mamans comme ça. On a des tatas comme ça. On a des sœurs comme ça. Ils parlent dès qu'ils ont vu quelqu'un. Ils vont parler à cette personne comme si ils connaissaient la personne. Donc, il y a, même dans nos familles, on a des mamans comme ça. Mais alors, quand les gens disent, moi, je n'encourage pas, je suis un peu comme toi, parce que là, il y a déjà beaucoup de haine. Moi, j'aime pas trop. Mais, quand les gens vont dire, oh, il faut que Nicole arrête, ce qu'on va encore dire à Flore, ça va lui faire quoi? On a dit 15 ans, oui. On a dit 15 ans, mais on a vu chez Lolo là-bas, quand Lolo voulait seulement poser une question par rapport à sa vie d'il y a 15 ans que les gens disent que les gens connaissent là, elle pouvait répondre et dire, bon voilà, oui, c'était mon passé, peut-être à cette période-là, je n'avais pas cet âge-ci, je n'étais pas mamie, je. Mais il fallait qu'elle coupe, à la limite, elle devenait même hystérique. Si on ramène ça à la preuve, quand on veut ramener ça, il faut qu'elle éteigne la personne. Il faut qu'elle, c'est-à-dire qu'elle martèle sur la personne pour que la personne ne parle plus. Comme a dit Maïté, que Nicole se décharge, ça va passer. Ce qu'on a déjà dit de cette maman-là, ça ne peut plus rien effacer de ce que Flore sortira. Mais il faut que Flore arrête. Elle a tellement détruit les vies, même les pasteurs, elle les a insultés. Et les pasteurs ont dit des choses sur elle. Il faut qu'à un moment, qu'elle fasse un peu attention. C'est-à-dire qu'elle allume, elle allume sa caméra, il y a 3000 personnes, elle insulte un homme de Dieu, elle a exposé l'an 2000 le président Raymond Tchenga, elle a traité de tout pour dire après que non, j'avais menti. Un mot même qui est redevenu son président là, qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? À un moment, il faut qu'elle arrête. On connaît déjà sa façon. Ce n'est plus comme avant, elle venait là, elle disait elle disait des choses, les gens prenaient ça comme... Je n'ai plus assez de batterie, maman. Chut. Bah oui. Donc, vraiment, il faut aussi que ces gens puissent lui dire la vérité. Peut-être ça va la sauver un jour, au lieu que ça la détruise aussi. On va parler à Nicole. Nicole ne va pas écouter tant qu'elle est en colère. Mais vraiment, à un moment, si elle peut aussi passer à autre chose, mais pour sa mère, là, qu'elle se décharge. Voilà, merci. Bisous, maman. Bisous. Oui, ma chérie, je t'écoute, maman. Oui, oui, bonjour à toi. Bonjour, Dorcas, bonjour tout le monde. Voilà, tu sais que, voilà, moi, je n'interviens pas souvent beaucoup dans tes lives, mais vraiment, cette histoire de Nicole, toi, tu connais mon bord, hein, tu connais mon bord, ce que moi, je fais, mais de temps en temps, je viens un peu dans vos directs et tout regarder. Vraiment, j'ai tellement mal parce que quand tu vois Flore par le passé, moi j'ai pris la parole, je ne sais pas dans le direct de qui, j'ai dit aux gens, la team qui a fait plus de mal, ne trouvons pas d'excuses. Alors si nous sommes à l'ère de l'Android, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où tout est répandu, ne trouvons aucune excuse, Dorcas. Flore doit payer. La team qui a fait plus de mal sur la toile camerounaise,
c'est la team de Flore. Je suis dans les, je suis dans le combat de Flore et Compresseur depuis des années. Je les suis, je connais tout ça. La team qui a détruit les gens sur la toile, c'est la PDG Flore de Lille. Dorcas, je ne veux voir personne trouver aucune excuse à Flore. Elle doit payer. Vous avez vu comment elle a cassé la photo parce que seulement elle a appris que Compresseur a soi-disant partagé moi, le live. Mais je n'ai même pas allé dans la part de Compresseur. Au moment qu'elle a cassé là, je n'ai rien vu. Donc, regardez seulement parce que Compresseur a soi-disant partagé la photo. Regardez dans quel état elle était. Combien de fois si on venait partager la vie de sa mère malade. Et peut-être qu'elle allait même prendre le vol et aller tuer seulement Nicole Kétia. Et venir partager la maladie de la mère de Kétia. Non, je ne veux voir personne trouver aucune excuse à Flore. Flore doit payer pour une fois. Laissez-moi l'histoire là, elle a les choses sur Nicole Kétia. Arrêtez-moi ça. Flore doit payer. Flore a fait trop de mal. Et là, c'est un mal de trop. Tu ne peux pas venir partager la maladie de la maman de quelqu'un. Et les gens trouvent Flore a partagé la nudité de sa Flore, de sa sœur Lolo Fonja. Aujourd'hui, la Yamsoeur, elles me disent la Yamsoeur, Yamsoeur de mère de lui, la personne qui a... Il fallait voir comment Flore était à la recherche de la nudité tant elle a appris que la nudité de Lolo était dehors. Elle a payé pour avoir la nudité de Lolo. Et vous voulez me raconter que wow, il faut trouver des excuses. Aucune excuse. Vous insultez tous. Vous vous insultez tous. Mais vous n'êtes pas allé loin. Tu avais ça. Tu as bien dit que tu avais ça. Mais tu n'es pas venu partager ça. Tu as laissé ça pour toi. Mais Flore a osé prendre la maladie de la maman de Nicole Kétia. Vous vous insultez. Qui n'insulte pas qui? Vous vous insultez. Mais venu partager une telle chose. Mais non, elle allait loin. Quand on insulte, seulement insulter sa mère. Mais imagine alors si on partage la maladie de sa mère. Ah, ce qu'elle va devenir. Oui. Elle était allée cogner, elle était allée taper la veuve joyeuse. Vous êtes témoin. Parce que la veuve joyeuse avait insulté sa mère. Elle allait cogner la tête de la maman de veuve. Elle allait chez la veuve joyeuse. Elle a été osée aller taper sur la veuve joyeuse chez elle. Jusqu'à laisser la bosse. Jusqu'à laisser une bosse. Non, arrêtez-moi tout ça. Pour une fois, si on doit payer, elle a fait de mal. Dans le blog camerounais, il faut arrêter. Aucune excuse. Ouais. Vous vous insultez. Les personnes allaient loin. Non, il faut arrêter. Vous ne trouvez aucune excuse sur la vie, sur la personne de Flore. Remettez pour une fois, soyez unanime. Flore doit payer. Soyez unanime. Il n'y a pas de magouille qui tienne. Pas de magouille. Faites payer à Flore ce qu'elle a fait à Nicole Kétia. C'est pas parce qu'on va dire que Nicole Kétia, elle est une petite, elle est une gamine, elle a manqué de... Vous vous insultez toutes. Qui n'insulte pas qui sur la toile? Vous êtes allé loin tellement avec vous-même. C'est ce que je voulais dire, ma grande. Merci de m'avoir pris parce qu'à un moment donné, arrêtez. Il faut que Flore paye. Tu ne peux pas prendre... Flore doit payer. Vous n'avez aucune... Est-ce que vous vous insultez tous? Imagine seulement que si... Allez jusqu'à ce niveau-là, non. Non, aucune excuse. Mettez-vous plus une fois ensemble, soyez unanime. Moi, je vois ça, mais remember, est-ce qu'il y a refusé qu'on ne s'est pas insulté? On s'est insulté même avec Compresseur, mais aller jusqu'à ce niveau-là, non. Non. Il faut avoir des limites. C'est notre maman, tu comprends, non, Dorcas? Alors si, la maman de Nicole, c'est notre maman à toutes. Imagine qu'on vienne faire ça à ta maman. Imagine, moi, je me mets à la place de Nicole. Qu'on vienne mettre la maladie de ma maman à mon dos vision. Imagine ce que ça peut nous faire. Mets-toi à la place de Nicole. Ceux qui disent qu'elle a des trucs, elle a quoi qui puisse encore faire mal à Nicole que la maladie de sa mère. Vous imaginez un peu. Il faut arrêter ça à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Regardons que le live, là, peut-être, on a relié partout, près d'un million de Camerounais. Mais attendez un peu. Au Cameroun. Elle va passer maintenant tout le monde. Vous connaissez ici, là, tu as même ce mal, même ton voisin ne veut pas boire l'eau dans le même gobelet que toi. Non. C'est encore un tabou ici. Les gens ne prennent pas ça. Tu n'es pas ça, Nicole. Nous allons te soutenir. Même s'il faille que tu prennes des avocats, on va te soutenir. Pour une fois, Flore doit payer de sa méchanceté. Et vous lui laissez faire les laves là où on est en train d'insulter la maman de Flore. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non, il faut pas. On va lui donner les gens vont lui donner ceux qui sont avec elle. Oui, parce que le live qu'elle a fait hier, Flore prend ça la main d'un tribunal. Ça éteint tout ce qu'elle va faire. Peut-être on va dire que c'est la légitime défense. C'est une légitime défense qu'elle aussi. Oui, mais tu ne peux pas
te plaindre qu'on a insulté ta maman, tu lui aussi insulté la maman de quelqu'un. Ça veut pas dire que c'est de bonne guerre. Je ne veux rien écouter de tout ça là. Je ne veux rien écouter. Nicole doit porter plainte à Flore. Nicole doit porter plainte à Flore. Ça, c'est non, c'est un crime de trop, Dorcas. C'est un crime de trop. Ne trouvez pas d'excuses à Flore. Oh, parce que c'était qui n'insulte pas qui. Flore a insulté la maman de Lolo ici qu'on a ramassé à la pelle. Ça, ce n'est pas aller loin. Elle parle loin avec les gens et les gens viennent toujours là. Oh, elle a insulté. Vous insultez tous. Arrêtez ça. Vous insultez tous. Ah oui. En tout cas, merci maman. Merci beaucoup. Merci Dorcas de m'avoir pris. Ma petite soeur Nicole, tiens bon. Nous sommes avec toi. Nous allons te soutenir. Aucune excuse. Flore, on doit porter plainte à Flore. Big up à toi, ma petite soeur. Merci Dorcas. Ok, ma chérie. Tu passes une bonne journée, maman. Merci à toi de même, ma grande. Merci de m'avoir pris. Je te remercie beaucoup. Bisous. Merci, ton de l'ex. Bisous là-bas. Je pouvais continuer à vous prendre, mais la batterie est faible. La batterie est très faible. Après, non, ma. Bye bye. Je suis peut-être à 10%. Donc, comme Flo annonce le live, elle lance là, le son va relancer, non? On va voir ce qu'elle a dit dans son live. On va revenir. On va donner la parole. Les gens vont prendre. On va parler comme ça jusqu'à la fin, c'est fini. On va faire comment? Bisous. Je vous aime. Nous sommes les...